Salut à tous. Ça Salut. va Jean-Pierre? Salut, tu m'entends? Va Jean-Pierre? Oui, toi. Ouais, tu m'entends bien? Allez, on va accueillir notre premier invité puisqu'il est là. On va pas trop le laisser attendre. J'ai nommé Fabien Laurenti. Salut Bonsoir à Fabien. tous. Salut. Bonsoir. Ben écoute, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Super gentil Fabien. Avec grand plaisir. Et pour plaisir de revoir des Marseillais, comme on dit. Parce que les vrais, on ne peut pas les faire revenir, mais bon, on a des anciens joueurs et ça fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Bon, ben, on va attendre. Oh, non, remarque non. Jean-Pierre, tu fais comme d'habitude. Tu parles à nos invités pour qu'ils se présentent, en fait. Ouais, mais vas-y, hein, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, c'est Non? ton Ah boulot. bon, ben ça. Ah bon, mon boulot. Ouais, ben on va faire un premier truc, c'est que je vais vous demander de vous présenter en attendant que Cédric arrive et tout. Ben vous pouvez vous présenter pour ceux qui, enfin, pour les personnes qui sont dans le chat et nos Oh, abonnés, ok. même Il si. n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Fabien Laurenti. Donc, je suis ancien joueur professionnel. J'ai été formé donc à l'Olympique de Marseille. Ensuite, je suis parti sur la Corse, sur Ajaccio. Après, j'ai joué au Racing Club de Lens. J'ai fait Brest et j'ai fini à Arles-Avignon. Voilà, où malheureusement, j'ai connu une grave blessure au genou. Et ça a été un peu le début de la fin pour moi, donc voilà, un mauvais souvenir, mais bon, ça fait partie du jeu aussi quand on est joueur de foot. Malheureusement, les blessures, c'est comme ça, voilà. Donc là, à l'heure actuelle, je suis entraîneur à Aubagne. Je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur. Donc l'année prochaine, je m'occuperai des U16 sur Aubagne et je m'occupe aussi de la Champions Cup, qui est un tournoi U11 qu'a créé Jean-Christophe Marquet, donc un ancien joueur de l'OM aussi. Et avec Sébastien Piocelle aussi, un ancien joueur professionnel qui a évolué du côté de Nantes et de Bastia. Et voilà, on s'occupe de ça. Donc c'est un super tournoi dont on s'occupe et on est très très fiers. Et d'ailleurs D'ailleurs, réputé Fabien, ce tournoi. Je T'invite. Je te réinviterai tout simplement parce qu'on fait un live avec Arles. Donc d'accord. il y aura Fabien Ah, Campioni que tu vas connaître, il y aura Benjamin Psaume et d'accord, d'autres très bien. joueurs. Donc tu seras le bienvenu, donc tu pourras revenir pour Arles, il n'y a pas de Bonsoir à problème. tous. Avec grand Salut plaisir, avec grand Cédric. plaisir. Bonsoir Comment tu vas, Cédric. Cédric? Salut, Cédric. Bonsoir. Ça va, pas trop fatigué du voyage? Si, on est KO. Là, regarde, j'ai les acolytes. Antoine, il est là, le Talek. Bientôt. Et il y a Kamel aussi, il est là. Ah ben voilà. Ah, il y a Adèle. Salut Adèle. Par contre, il y a du bruit. J'entends pas trop. On vient de finir de manger à peine. Donc désolé. Mais reviens, au pire, Cédric, revenez quand vous êtes tranquille, t'inquiète. J'ai pas compris. Si jamais reviens quand vous êtes tranquille, opposé, t'inquiète pas. Ouais, vas-y, je reviens. Du temps, on va s'occuper de Fabienne. Eh oui, t'inquiète, Fab, tu es entre de bonnes mains. T'inquiète. Ya oui, j'en doute pas une minute. Merci, c'est gentil. J'arrive, à de suite. À tout à l'heure, Cédric. À tout à Pas de l'heure. soucis, Cédric, à tout à l'heure. Bon, mais nickel. Mais en plus, Anthony Letalek, c'est sa fin de carrière, c'était hier, je crois que ça a été annoncé. Oui, Il l'a c'est annoncé il n'y ça, a oui. pas longtemps. Ce serait bien de revenir sur sa carrière aussi, parce que quand même, c'est intéressant. Mais Jean-Pierre, je te laisse. Ah, fait non, pardon, on va présenter Christophe quand même. Présenter Christophe quand même. Allez, vas-y. Eh oui. Ça la présentation, Jean-Pierre. Ben oui, Salut à ben tous. bonsoir mon Chris. Eh ben écoute, vas-y, présente-toi, hein, fais-toi plaisir. Eh bien, moi, c'est Christophe, président du club des supporters de Martigues. Depuis plus de 15 ans. Donc, Fabien, je t'ai déjà vu sur les stades, que ce soit à l'OM ou même avec les jeunes. Ouais. Et voilà, moi, je suis de Martigues et 100% Martigao.
Après, Fabien, moi, je fais des lives, en fait, où c'est que, comme tu le vois, j'invite pas que des anciens joueurs de l'OM, j'invite des anciens pros, il y en a eu beaucoup. Mais il y a eu beaucoup d'anciens joueurs de l'OM, comme Jean-Jacques Aydeli, qui est prévu pour le 26, là, d'ailleurs, pour l'anniversaire de la Ligue des Champions. Ça va être super intéressant, je pense. Donc, si Fabien, moi, je te le dis, si tu es disponible pour le 26 mai, moi, je t'invite avec grand plaisir. D'accord, ok. Il C'est n'y a pas de mercredi souci. soir à 21h le live. Tu veux venir? De toute manière, j'ai vu que tu avais accepté mon invitation Facebook. Ouais. Et je t'ai envoyé un message privé, mais tu ne l'as pas ouvert encore. Donc, à mon avis, tu as été Ah oui, pris. non, ouais. Les messages privés Facebook, je t'avoue que c'est compliqué pour moi de les ouvrir parce que, sans prétention, j'en reçois des dizaines tous les jours et je lis pas tout. C'est vrai que je lis pas Non, mais c'est tout. pas grave. Donc, en cas de toute façon, même Cédric pourra te donner mon numéro, effectivement, et comme ça, tu m'auras directement, ce sera beaucoup plus simple. Ce Ouais, il n'y a sera pas de beaucoup plus problème. simple. Très bien. Ok. Bon, allez, je te laisse dans les, hein. Mais pas dans les bras. Entre les mains de Jean-Pierre avec des questions. Alors juste, je vous explique un truc, les gars, pour ce soir. Ce que je veux, c'est qu'on parle football et football. On parle des deux, en fait. Ben, on va faire un mix des deux sur les questions. Et après, de toute façon, bon, Cédric, il est déjà passé à la moulinette. Alors Cédric, Mais. par contre, ils m'ont prévenu, Cédric et Anthony Letalec ne peuvent pas rester trop longtemps avec Non, Adel ben Chaouri non non, plus eh ben parce qu'ils oui, donnent la demain ils compétition sont. demain. Oui. Donc Eh ben on voilà. mitraillera, voilà. Donc, Ok. ben, allez, la première question qui va être bien évidente pour moi qui suis, désolé, qui suis un pur Marseillais. Donc, bien évidemment, j'ai vu Fabien au stade et tout ça, des pleines de fois. Est-ce que vous pourriez juste nous parler de votre parcours à l'OM, en quelle année c'était, avant d'aborder le reste? Moi, je voudrais que vous abordiez juste rapidement votre parcours à l'OM pour situer un peu pour les supporters et tout ça. D'accord. Donc moi, mon parcours à l'OM a commencé très très jeune. J'ai atterri à l'OM en poussin. À l'époque, la catégorie s'appelait les poussins, donc Oui, les oui. U10. Voilà, U10 ou U11 en ce moment. Donc j'ai fait toutes mes classes à l'OM en fait. Et puis après, j'ai été champion de France du CFA. Donc c'est le seul titre à l'heure d'aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, champion de France CFA avec José Anigo en tant que coach. Et après, j'ai été propulsé donc avec l'équipe pro. J'ai commencé en 2002 quand Bernard Tapie est revenu. D'accord. Voilà, rappelez-vous ce Voilà. moment-là. Voilà, donc c'était un petit peu le fouillis malgré tout, mais pour ma part, ça reste un moment inoubliable parce que imaginez-vous un peu avoir Bernard Tapie comme président, ce que ça peut représenter. C'est tout simplement énorme et même si c'était un peu le Bronx à l'époque, pour moi ça reste un souvenir superbe parce que Tapi, voilà, ça représente tout ce que l'OM peut représenter à travers le monde et l'Europe et puis surtout cette coupe aux grandes oreilles. Donc voilà, pour moi ça reste un superbe souvenir. Et puis après, j'ai commencé vraiment à jouer quand Alain Perrin est venu. Donc c'était en 2002-2003 et puis voilà, j'ai eu la chance de jouer notamment avec des grands joueurs comme Franck Leboeuf, Daniel Van Buten, Didier Drogba, voilà, donc pour ne Ah oui, citer que, d'accord. voilà, donc pour ne D'accord, citer que ouais, bien entendu parce que Fabien, tu as joué avec Kamel Meriem, non? avec Kamel bien sûr aussi, Eh bien, avec Kamel. il était notre invité il y a 15 jours. D'accord. Kamel. Kamel très 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 grand joueur. Qui a pas eu, je trouve pour ma part, avec le talent qu'il avait, qui a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, parce que pour moi, c'était un superbe joueur. Ah oui, c'est sûr. Et Vas-y, la on l'aimait beaucoup à Marseille, hein. C'est malheureusement un En fait, club c'est pas entre tout. guillemets ennemi qui l'a rappelé, mais. Moi, qui suis supporter de l'OM depuis mes 5 ans, moi, j'ai jamais vu un joueur à l'OM qui a été haï. Et si, peut-être un. Nakata, à l'époque. Moi, je me Ouais. rappelle de Mais Nakata. pas haï. Il y en a toujours, tu sais, les supporters, on a tous la dent dure, donc on en a toujours envers qui on s'est. Mitroglou en est l'exemple, je veux dire, il y en a d'autres, il y a eu Jiménez à l'époque, il y a eu Cristanval, enfin, il y a tout le temps eu des joueurs qu'on a adulés et d'autres joueurs qu'on a moins adulés. Ben, après, voilà, c'est comme ça Moi, fait partie du foot. je me rappelle quand Fabien Laurenti jouait,
Moi, j'adorais Fabien quand il jouait, honnêtement. C'est pas pour lui jeter des fleurs parce qu'il est là ce soir. Mais moi, je trouve que l'OM ne lui a pas laissé assez de sa chance. Ouais. Non, mais après, on peut pas dire. Après, tu sais, il y a tellement entre les coachs, les... ça tient à tellement peu de choses. C'est vrai que c'est dommage. Mais bon, après. Fabien, il y avait qui avec toi en défense centrale? Il y avait Franck Leboeuf. Bon, Franck, il est venu un petit peu plus tard. Mais j'ai joué avec Tuzio, Eduardo Tuzio. Ah oui! Edu, qui était aussi un bon joueur. Edu Tuzio. Il y avait Yobo, Joseph Yobo à droite. Il y avait Sébastien Pérez aussi, avec qui j'ai joué. Manuel Dos Santos, arrière gauche. Cyril Roll, bon, qui n'est pas resté très très longtemps. Franck Jurietti. Il y avait du beau monde. Voilà. Abdoulaye Meïté. Il y avait une belle équipe. Ouais, il y avait du beau monde, il y avait vraiment du beau monde. Et voilà, et donc cette saison-là, on finit troisième du championnat. Quand il y a Franck, Daniel Van Buiten, tout ça, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour moi, ça reste des superbes souvenirs. Ah ben oui, c'est oui. Ça, on peut pas dire le contraire. Quand on finit troisième du championnat. Et donc après, donc bon, l'OM ne vous garde pas. Vous partez directement sur Ajaccio. C'est ça, exactement. Exactement, parce que... Qui était remonté Ajaccio, en Ligue 1. Qui était en Ligue 1 à l'époque. Tout à fait, Ajaccio était déjà en Ligue 1. Et c'est vrai que bon, j'avais plus trop de temps de jeu et à contre-cœur, parce que bon, quand on est Marseillais et qu'on a la chance d'évoluer au Vélodrome, je vous raconte pas l'effet que ça fait. Mais ça après, doit être le cœur, ouais. Il doit battre fort, non? Oui. Quand on rentre sur ce terrain avec 40-45 000 personnes qui doivent hurler, le cœur, pour un pur Marseillais, le cœur, il doit être en folie là. Ouais, c'est fantastique parce que bon, comme tout Marseillais qui se ressemble, j'allais au stade quand j'étais minot, donc forcément, on rêve tous un jour ou l'autre d'y être joueur. Et quand ce rêve se réalise, ben voilà, c'est fantastique tout simplement. Donc, à contre-cœur, voilà, j'ai dû prendre la décision de quitter l'OM parce qu'après, c'était ma carrière qui passait en priorité. Oui. Donc, il y a une carrière à faire, exactement. Donc, voilà, mais bon, je suis quand même super fier et j'ai des super souvenirs, même si j'aurais aimé jouer beaucoup plus longtemps à l'OM, mais c'est pas grave. J'ai eu la chance au moins de jouer, j'ai eu la chance de représenter le maillot blanc, et puis voilà, pour un Marseillais, c'est superbe. Ah, c'est bien, parce qu'on dit toujours, et bien souvent j'en entends, ah mais on n'a pas eu de Marseillais. C'est vrai, à part Camara cette année et Nasri il y a quelques années, Maxime Lopez, mais et voilà, on en oublie, on vous oublie, donc c'est ça qui est dommage. Parce que vous faites partie de ces Marseillais qui ont porté le maillot blanc, je veux dire après. Moi j'avais une question, Fabien, pour toi, je pense que tu vas m'y répondre. Enfin, je sais pas si tu vas y répondre, mais je pense qu'elle est un peu pas dure, mais elle est pas évidente à répondre. Est-ce que c'est pas dur qu'on est un 100% Marseillais, un Marseillais de pure souche, comme on dit, de porter le maillot de l'OM? Est-ce qu'il est pas trop lourd pour les Marseillais pure souche? Sincèrement, trop lourd, non. Alors après, c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte, c'était la situation actuelle de l'équipe. Parce qu'il faut pas oublier que quand l'équipe va mal, là, oui, le maillot, il est lourd parce que il y a la pression des supporters, la pression des résultats. Donc là, forcément, je pense que le maillot est beaucoup plus lourd. Mais moi, quand j'ai commencé, même si la première année, les 6 premiers mois que j'ai fait, ça n'a pas été trop évident. Mais après, la seconde année, franchement, voilà, je te dis, on finit troisième du championnat. Ça a été une année superbe avec les résultats. Et non, au contraire, je trouve que c'est un accélérateur d'expérience de commencer à l'OM. Parce que de suite, on est dans le grand bain avec une pression qui est énorme. Mais bon, moi qui entre guillemets toujours connu ça, même en équipe de jeunes, parce qu'en équipe de jeunes, on nous demandait aussi des résultats. Donc, on est de suite formé à avoir ces résultats, à avoir la gagne. Donc, quand on arrive en haut, forcément, on est prêt à affronter ça, quoi. Oui. Il y a une question dans le chat qui est intéressante, mais le problème, je ne sais pas qui l'a posé, il s'appelle Facebook User. Voilà. C'est Facebook User. Alors, petite question.
Est-ce que la ferveur et la pression est plus forte à l'OM ou en Corse? Ah. Il y en a Non, non. Ça, c'est. Non, 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 ben non, forcément, ici à Marseille, en Corse, à Ajaccio, c'était vraiment tranquille. Niveau supporter, c'était plutôt cool. Plutôt cool. Donc, non, 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 forcément, l'OM. Si j'aurais dû faire une comparaison, ça aurait dû être avec Lens. Oui. Les supporters Oui. lensois, le club de Lens a aussi. Ça ressemble à l'OM, hein, de toute façon, la ferveur qu'il y a à Lens. De suite, quand je suis arrivé là-bas, ça m'a fait penser à l'OM parce que. Les supporters sont. Tu as plus de Les monde qui supporters. vient à l'entraînement aussi, à Lens. Ouais, aussi. Ouais. Moi, tous les jours à Lens, il y avait 2, 3, 400 supporters qui étaient là tous les jours. Tous les Oui, c'est jours. ça. Tous les jours. Ils sont là, ils sont présents. Ils ont vraiment un amour pour le club qui est comme ici à Marseille. Hein, c'est pareil. Hein, vraiment, c'est incroyable. Et de suite, ça m'a fait penser à l'OM parce que voilà, il y a une ferveur, il y a une chaleur dans ce stade et ils sont capables de vous transcender à n'importe quel moment, quoi. Entre la Gaillette et la Commanderie, tu préfères quoi? Alors, je vais être, ça va peut-être être bizarre, mais la Gaillette est vraiment, déjà, c'est beaucoup plus grand. Déjà, premièrement, il y a l'équivalent de 11 terrains en tout. Fort. Donc c'est énorme parce qu'en fait le truc qu'il y a, moi ce que j'aime c'est qu'il y a tout le club qui s'entraîne là-bas, c'est-à-dire des Oui. petits jusqu'aux pros. Donc je trouve ça bien parce que ça fait vraiment famille, c'est vraiment il y a qu'un seul endroit pour le Racing Club de Lens. Tu as le stade couvert aussi, qui est pas mal. Il y a le dôme qui est couvert, ouais, parce qu'il neige souvent là-bas, donc il y a le dôme couvert. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça ce côté sympa d'englober vraiment tout le club au même endroit, quoi. Alors moi j'avais une question, puisque personne ne t'en pose, je l'ai posée moi, hein, tant pis. Ah Apparemment mais vas-y, ils sont non, coincés ce non, soir. mais... Ou alors ils sont impressionnés par Fabien Laurenti, je sais Oh. pas. Fabien, juste une question. Quel adversaire au cours de ta carrière t'a marqué le plus et t'a donné le plus de fil à retordre? Bon, j'en ai croisé des très très bons, hein. J'ai croisé un Franck Ribéry quand il était à Metz. Donc c'était déjà du lourd. J'ai croisé un Karim Benzema quand il était à Lyon. Hatem Ben Arfa quand il était à Lyon. Giovanni Elbert quand il était à Lyon. Ouais. Enfin, j'en ai croisé vraiment des très très grands. Benzema, il était vraiment très fort. Déjà à Lyon, c'était vraiment quelque chose de vraiment fort, vraiment. On suit l'actualité actuellement. Qu'est-ce qu'on pense du retour en équipe de France? Ah, moi je suis de ceux, enfin, je fais partie des personnes qui trouvent que c'est bien parce que sur le plan footballistique, j'estime que c'est totalement mérité, quoi. Sur sa saison qu'il fait, ça aurait été incompréhensible de se passer d'un joueur comme Benzema en équipe de France. De toute Moi façon, Deschamps, il n'est pas bête. Hein. On n'a pas d'avant-centre. Il l'a bien vu. Donc, à un moment. je vais bondir sur autre chose, puisqu'on parle de l'appel de Benzema. Que penses-tu que Bouba Camara n'ait pas été retenu avec les Voilà. espoirs? Ouais, alors ça, par contre, c'est une surprise, une énorme surprise. Et je suis vraiment déçu pour lui parce que, en étant vice-capitaine des espoirs, j'ai du mal à comprendre Sylvain Ripoll sur ce choix. Alors, forcément. On n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans le groupe avec lui. Mais sur les performances en plus de Bouba, les derniers matchs à l'OM, il a été bon. À Et Marseille, personne ne comprend, hein, de toute j'ai façon. du mal à C'est... comprendre. Ouais, je pense pas qu'à Marseille, hein. Je pense qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui connaissent le foot qui doivent pas trop Ils ont du comprendre ce bon dire. choix. C'est vrai Après, que... aussi, bon, il y a la descente de Camavinga avec les espoirs aussi. Qui doit faire peut-être un petit peu du mal aussi, mais même avec ça, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que peut-être qu'ils l'ont pas appelé, après moi c'est juste une supposition parce qu'il est cramé de la saison. Physiquement, je parle. Bon, après, tu sais, à ce niveau-là, tous les joueurs jouent tous leurs matchs en club. Hein, en général, ce sont tous des titulaires. Donc, je pense que l'ensemble des joueurs qui ont été sélectionnés en espoir, on fait une saison pleine. Donc, Ouais. je pense pas que ce soit ça. Peut-être que les derniers matchs qu'il a fait avec les espoirs, ça s'est peut-être pas très très bien passé pour lui.
Mais au vu de sa saison et au vu de ses qualités, je trouve quand même que c'est bizarre. C'est étonnant. Il méritait d'être voilà. dans le groupe, quoi. C'est vraiment. Exactement. Exactement. Ouais, ouais. Bon, allez, Jean-Pierre, je te laisse poser des questions à Fabien et je t'écoute. Vas-y. Oui. Ajaccio, vous y restez combien de temps? Ajaccio, j'y reste 3 ans et demi. Et après, je file à Lens. Donc, on descend en Ligue 2 avec Ajaccio et je fais une saison en Ligue 2. Ça se passe pas très, très bien. Et puis après, je rebondis donc à Lens la saison qui suit. D'accord. Et moi, j'ai une question un peu… Donc, vous avez dit que Bollaert, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, de toute façon, il y a 2 stades en France, hein, Bollaert et le Vélodrome. Après, les autres, c'est bien, mais… moi, j'ai peut-être une question. Quel coéquipier vous a paru, parce que c'est quand même pas anodin non plus, de se retrouver quand on est jeune joueur, et puis on a le bœuf à ses côtés. Champion du monde, champion d'Europe, ça doit faire bizarre, hein, quand même. Ouais. Ouais, ça a été Franck, pour moi, ça a été un super moment parce que Franck est quelqu'un de ça a été quelqu'un de très humble, vraiment. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille entre guillemets sur la pointe des pieds, sans se prendre pour ce qu'il était, c'est-à-dire un champion du monde et un champion d'Europe. Donc il est arrivé vraiment avec une humilité qui était vraiment très très forte et il a joué ce rôle de grand frère avec moi, donnant toujours le bon petit conseil. Et moi, j'ai d'excellents souvenirs de Franck Leboeuf. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un grand monsieur et puis un grand champion. Il y a, enfin, j'ai une question un peu bête, mais c'est pas grave. Mais au moins, ça va me remettre dans le truc parce que c'est vrai que des fois, moi, avec les années, maintenant, je suis un vieux. Eh oui, c'est normal. Ça remonte. Est-ce que dans les buts, il y avait un certain Fabien B, qui est une de mes idoles, ou pas encore? Il n'était pas encore arrivé comme vous y étiez. Il n'était pas encore arrivé. Fabien, il arrive quand moi je pars à Ajaccio. Je me suis entraîné quelques mois avec lui. Il y avait Bédran Rougneux dans les buts à l'OM quand j'y étais, qui était un super gardien aussi, que j'ai retrouvé à Lens quelques années plus tard. Mais Fabien est arrivé, il a commencé à s'entraîner avec nous en septembre, je crois, en octobre, et moi je signe en janvier après encore ça à Ajaccio. Donc je l'ai un peu quand même côtoyé et connu, et c'est un sacré numéro. C'est un excellent monstre, souvenir aussi. C'est un monstre lui aussi. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Oui, parce qu'il était suspendu pendant 6 mois à cause de son crachat. Exactement. Le fameux match au Maroc, là, avec l'arbitre un peu bizarroïde. Vous l'avez joué, ce match-là? Parce que moi, je l'avais vu. C'est vrai que Fabien, on va dire, il pète un câble. Mais au niveau de l'arbitrage, de ce que je m'en souviens, l'équipe en face faisait que donner des coups. Et l'arbitre disait rien. Et Fabien, je crois, il décapsule parce qu'il se dit, on a un championnat à jouer et les mecs, ils font que donner des coups. C'est pour ça qu'à force, il pète un plomb. Et moi, je me souviens de ça. Et bon, il prend 6 mois quand même, il prend cher, hein. C'est bon. Ouais, mais en même temps, il voulait protéger les joueurs parce qu'il voyait que l'arbitre, comme il était dépassé, complètement avec dépassé. Eux et les joueurs adverses mettaient des coups au risque de vous blesser. Et, sauf que l'arbitre réagissait pas et c'est pour ça que lui a réagi. Mais bon, après, c'était pas. Ouais, c'était pas la bonne réaction. Après, malheureusement, on reste des êtres humains sur un terrain de foot. Et c'est pas le premier grand joueur qui pète les plombs, hein. On a des tonnes d'exemples, notamment un Zinedine Zidane qui a brillé en finale de Coupe du Monde, donc ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà, malheureusement, comme je te l'ai dit, on reste des êtres humains. Et des fois, quand l'injustice est trop grande, eh ben ça arrive qu'on vrille un petit peu. Parce que je me souviens que sur ce match-là, les tacles ils étaient sévères. Pas de votre part, de la part des joueurs adverses. C'était à la limite, et puis l'arbitre disait rien. Donc, En même temps, les joueurs brillent, pas de problème. Nous, à l'OM, en ce moment, on a les entraîneurs qui brillent. Oui. Ah, ben là, avec. Je ne vais pas revenir dessus parce que je ne l'aime pas, et tout le monde le sait que je ne l'aime pas. Donc... Ah, comment c'est pas hein. Il met des coups de tête aux vitres, ça va. Il y a Cédric qui est revenu avec Anthony Le Tallec.
Bonsoir les amis. Monsieur Bonneau. Il est là, la bonsoir. Star du golf. Monsieur et le retraité. Chris, vas-y si tu veux poser une question. Hein. Alors, je suis à la retraite. Par contre, j'ai trouvé le plus jeune retraité de l'histoire du foot. Le plus récent. Un jour. Bonjour à tous. Salut à tous. Bonjour. Ah, bonsoir. Bonne retraite alors. Comment? Bonne retraite. Bonne retraite. Ouais, merci. Merci. Ça... Mais après, bon, je te laisserai avec Jean-Pierre, il aura beaucoup de questions à te poser apparemment. Ok, Jean-Pierre. Attention, parce que moi j'ai un mauvais souvenir d'une certaine finale de Coupe de France. vous l'avez gagné, mais contre l'OM. Alors ça, c'est pas bien, ça. Non, fallait pas. Je suis à Marseille, on parle de ça. Donc, Oui, oui, ah ben oui, c'est obligé. Mais bon, j'ai d'autres souvenirs à vous parler. Christophe, si tu veux poser une question à Fabien, je t'en prie, vas-y. Moi, c'est juste une question, en fait, c'est tes qualités sur un terrain. Alors, mes qualités, là, sur un terrain, je ne les ai plus parce que je les ai perdues. Mais non, moi, après, j'ai toujours été un joueur qui lâche rien. Voilà, je me suis toujours battu sur un terrain. Et puis, voilà, que ce soit dans l'adversité ou dans des moments compliqués, moi, on m'a toujours appris à mouiller le maillot et puis à rien lâcher sur un terrain. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une valeur que j'ai voulu défendre, quoi, en tout cas. Un joueur de devoir. Exactement, c'est ça. Et vous avez découvert maintenant le foot-golf. Eh oui. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé et... Est-ce que vous jouez avec notre voisin de caméra de gauche? Est-ce que vous jouez avec lui dans le club de Marseille ou comment alors ça se passe? C'est vrai que, c'est Cédric qui m'a. Si je me trompe pas, Anthony Le Tallec me dira si c'est vrai ou pas, mais je crois qu'Anthony Le Tallec qui porte les couleurs de Valenciennes, pas d'Aix-en-Provence. Non, mais je parle pour Fabien, je parle pas encore pour Anthony. Excuse. Voilà. Ma question, c'était pour l'instant adressée à Fabien. Mais bon. Ouais. Ben, moi, c'est Cédric qui m'a fait découvrir donc le foot golf avec un ami qu'on a en commun, Monsieur Hakim Malek, et j'ai découvert donc ce sport et j'ai tout simplement adoré parce que moi, je joue au golf à la base, donc quand on m'a parlé de foot golf, ça réunissait vraiment. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant, mais très très compliqué aussi. Et depuis, vous êtes piqué au jeu. Est-ce que vous faites les tournois avec eux parce qu'ils vont disputer le championnat de France? Enfin, est-ce que vous êtes piqué au jeu ou pas encore? Vous êtes rentré en compétition ou pour l'instant c'est juste du plaisir et c'est tout? Non. Pour le moment, c'est du loisir, du plaisir. Il faut que je me perfectionne encore beaucoup pour avoir leur niveau et pour pouvoir rentrer en compétition. Donc, pour le moment, je viens avec les copains, les collègues, on s'amuse, on prend du bon temps et puis après, on laisse ça aux professionnels. Et on s'amuse bien même. Ça rigole pas mal. On s'amuse très bien. On rigole beaucoup d'ailleurs. Ouais, on rigole un peu trop. Il y a Anto là qui vient en compétition quand même, là, qui commence à s'y mettre. Oui, Donc, voyez, vous avez peut-être fini votre carrière, mais vous avez fait une passe décisive. Donc, Cédric et Anthony, si vous êtes là, est-ce qu'ils sont là? On est là. Ah oui. Ah oui. Donc, on va vous demander. Bon, Cédric, on le connaît, on l'a eu la dernière fois, champion du monde et tout. On va demander de vous représenter. Et moi, j'ajouterai quelques petits trucs parce que j'ai fait un petit peu de biographie sur Anthony. J'ai pas vu que la finale 2007, même si celle-là m'a bien énervé. Mais on va un petit peu revenir après sur toute votre carrière. Donc, Cédric, lance-toi et puis après Anthony. Allez-y, représentez-vous, on va dire. Moi, ma carrière au foot, elle a été basse, elle a été rapide. Au foot, mais champion du monde quand même. Ouais, mais pas champion du monde de foot, mais au foot, ah, j'ai joué au foot jusqu'en CFA. Après, je suis parti en Ligue 1 de futsal.
où j'ai joué à Toulon, dans le club de Toulon. Ensuite, j'ai joué au foot à 5, où j'étais deux fois champion de France, de foot à 5. Et là, maintenant, je suis au foot golf et j'ai été champion de France individuel, champion du monde avec l'équipe de France. Et j'ai été aussi champion d'Europe avec le club de Marseille deux fois. Voilà. Comme quoi, nous aussi, on reçoit des champions du monde et des champions d'Europe. Eh, tiens, voilà. Et oui, champion d'Europe deux fois, pas une fois, deux fois. On a deux ligues des champions. Ben voilà, comme ça au moins. Et il faudra songer à Fabien pour intégrer l'équipe. Bien sûr. Qu'est-ce que... il s'amuse, on le laisse tranquille. Ah mais, tu sais qu'il s'échauffe. Tu vas pas tarder à accrocher, je sens. Tu vas pas tarder à l'accrocher. Bon, allez, hop, compétition. Ouais, s'il a envie, il sait, il est le bienvenu. Après, ça dépendra de Fabien, parce que s'il doit être entraîneur des jeunes, ça va être compliqué de faire du foot golf. Ah, ça, c'est chouette. Hey, mais tu sais que même les jeunes s'y mettent de plus en plus hein, maintenant. Ils ont découvert ça. Je vois que ça commence à prendre un certain essor un peu partout. Il y a quand même de bons trucs à faire en foot golf, je pense. De bons trucs à venir. C'est un très très bon complément au foot. Et les jeunes, ils ont la chance. Que maintenant il y a beaucoup de pratiques diversifiées qui permettent justement aux joueurs d'avoir, d'augmenter la palette technique et qui permet d'être meilleur au foot. Oui, bah, clairement. Clairement. Moi j'ai toujours été bidon donc ça fera rien. C'est bon. Si j'envoie le ballon à 50 cm, c'est le bout du monde. Moi, laissez-moi être entraîneur, ça me suffit. Moi. Je fais courir les autres, c'est mon seul talent. Si tant est que j'en ai. Donc, on va passer à Anthony. S'il peut se présenter, c'est pour les gens dans le chat. Anthony, le Talek. J'ai été formé au Havre, au HAC, de débutant jusqu'à pro. J'ai fait équipe de France des jeunes de 15 ans jusqu'aux espoirs. Malheureusement, j'étais que présélectionné en A. Et ensuite, j'ai fait 20 ans pro. 20 ans pro de Liverpool jusqu'à voilà, j'ai fait 12 clubs pro. Et il y a deux jours, j'ai annoncé la fin de ma carrière sportive. Et je vais passer l'année prochaine le diplôme BEF. Je vais avoir en charge les U17 nationaux d'Annecy où j'ai fini. D'accord. Donc on a deux futurs entraîneurs. Ouais, après, c'est un truc que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de couper brutalement. J'ai envie d'avoir encore un pied sur le terrain. Donc ça va me permettre d'être sur le terrain. Et je vais mettre aussi en place des spécifiques attaquants pour le club. Et après, je vais voir par la suite si ça me plaît vraiment. Si ça me plaît, je continuerai avec les diplômes. Sinon, je m'orienterai sur un diplôme de manager pour être directeur sportif. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai fait un petit peu la bio, j'ai un petit peu potassé. Je vais dire ce que vous n'avez pas dit, mes souvenirs de footballeur vous concernant, à savoir que, mine de rien, vous ne le dites pas, mais moi, je vais le dire, vous êtes quand même champion du monde des U17 avec votre compère du Havre, Florence Sinamapongol. On se souvient que vous faisiez quand même une sacrée paire d'attaquants. Vous êtes champion d'Europe, la coupe aux grandes oreilles avec Liverpool, notamment celle de 2005, je crois, ou 2003, je ne sais plus. 2005 face au Milan, le 3-0 à la mi-temps et le 3 partout. Ouais. C'est une finale exceptionnelle et vous êtes champion d'Europe. Vous avez gagné la Coupe de France face à l'OM avec Sochaux, celle-là, on n'en parlera pas. Pourquoi c'est quand même une sacrée carrière. Hein non, non, mais tu peux... non, mais Jean-Pierre. Je plaisante. Alors... Je plaisante. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait Kamel avec Antour dans l'équipe. Qui Kamel. Non. Kamel Meriem. Non. Non Karim Ziani. C'était Karim Ziani. Karim Ziani. Il était retourné à Bordeaux, Kamel. Ouais, c'est vrai. Pardon. Il avait quand même une sacrée équipe à Sochaux. Hein, le principal, quand il a joué contre l'OM, il a vu que c'était la vraie ferveur, c'était à l'OM, c'était pas Sochaux. mais sur le palmarès, c'est. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Voilà. Il y en a pas beaucoup qui l'ont. Quand je lis le palmarès, c'est beau. Champion du monde des U17,
vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de la Coupe de France. Ça calme un bonhomme quand même. Ça situe quand même le niveau de vos performances. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez un palmarès quand même exceptionnel. Pour un footballeur, voilà, ça, voilà, je tenais à le dire parce que vous ne l'avez pas dit certainement par humilité, mais moi je tenais à le dire parce que c'est quand même énorme. Vous avez un palmarès énorme. Déjà d'être champion du monde à 17 ans, ça fait quoi? Avec votre collègue. C'est une consécration chez les jeunes, en fait. Chez les jeunes, oui. Voilà, quoi, on était sur le toit du monde à 17 ans. Et voilà, quoi, on est très fiers, quoi, parce qu'on représentait le pays. Et voilà, c'était la première fois de l'histoire que l'équipe de France était championne du monde. Donc c'est top. On a marqué l'histoire et voilà, ça va nous suivre. Ah ben, tout à fait. Et cette finale de Coupe d'Europe, alors, puisqu'elle est exceptionnelle, celle-là, c'est une des plus belles qu'on ait jamais vues. Et vous y étiez, à Istanbul, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait toute la campagne avec eux. C'est 22, non ? J'étais dans les 16, c'était les 16 ou 18, non, dans les 16 tout le temps. 16, ouais. J'ai même joué quart de finale titulaire contre la Juve, où j'ai fait une passe décisive. Après, j'étais sur le banc. C'est extraordinaire. Mais malheureusement, j'ai mon pire souvenir de footballeur, c'est quand il ne me prend pas dans les 16 pour la finale. Ah. Ça, c'était vraiment un regret. J'étais dans la tribune parce qu'il y a un joueur qui a tout fait pour être dans les 11. Il était blessé. C'était Ricky Well, un Australien. Et il a joué que 20 minutes, quoi. Il a joué qu'à 20 minutes. Il est sorti au bout de 20 minutes. Et voilà, ça m'a fait mal. Mais bon, après, j'ai participé et puis... Mais, enfin, bon, vous êtes quand même champion d'Europe, hein. On ne va pas chipoter non plus. Ouais, mais après, voilà, il faut le dire. C'est sûr que c'est mieux. Non, mais alors je ne veux pas non plus trop évoquer dans ce sens-là, parce que, mais ça fait quoi d'être champion d'Europe avec cette équipe de Liverpool, cette ambiance, on connaît ce club, on connaît les supporters de Liverpool. Au vu de la première mi-temps, qu'il y a 3-0, vous vous dites c'est bon, c'est terminé, non ? Terminé, j'ai cru qu'on allait en prendre 6 ou 7. Comme il jouait le Milan, c'était parti pour ça. Hein. Après, il y a un sursaut d'orgueil à la mi-temps avec Steven Gerrard qui a parlé avec tout le monde, avec ses tripes. Et puis voilà, on connaît le scénario derrière. Oui, Gerrard, Smith-Rowe qui marque aussi. Ouais. Qui s'est retrouvé à Lens plus tard. Avant. Oui. Avant. Avant, il me avant. Semble qu'il avait été après. Non, ouais. Avant. Super joueur, hein, Smith-Rowe. Ouais, super joueur. Et... Enfin, c'est le Graal de gagner la Ligue des Champions. Bah, ouais. La gagner, c'est le Graal, mais la gagner de cette façon-là, c'est encore mieux. Ouais, c'est sûr. C'est des plus belles finales de toute l'histoire. Ah c'est oui. Ah ouais, oui. Là, c'est sûr. À 3-0, c'était fini. Ah oui. Donc, voilà, top. Top. Je suis content d'avoir pu jouer dans une telle équipe, un tel club. Et le retour, il a dû être merveilleux, le retour à Liverpool. Phénoménal, hein. C'était phénoménal, même le soir même à l'hôtel, c'était incroyable. Et après encore plus quand on arrivait à Liverpool. Les gens qu'on les attendait, voilà quoi, c'était incroyable. Mais après moi j'étais jeune, donc je me rendais pas compte forcément. C'est après qu'on se refait le film, quoi. Oui. On se dit, voilà, c'était vraiment un moment incroyable. C'est pour ça, moi, je pose des questions de mon point de vue de supporter, de mon point de vue d'amoureux du foot. Hein. Je me permettrai pas autrement, mais ça doit être incroyable de vivre ça. Et ben, tant pis, on va évoquer, mais celle-là, au moins, vous l'avez jouée, la finale de Coupe de France 2007, il me semble, 2007. C'est ça. Celle-là, vous l'avez jouée, puisque il me semble que c'est vous qui marquez un but. Je marque au prolong, ouais. Ouais, voilà, qui nous fait bien mal. ça fait bien mal au cœur d'en parler, mais bon, il faut en parler. Vous l'avez gagné. Finalement, vous êtes un homme de coupe. ouais, ben. C'est bien, je pense, dans une carrière d'avoir des trophées. Ah ben. La Coupe de France, champion du monde, on joue pour ça. En général, au football, on joue pour ça.
Ouais, on joue pour ça, on joue pour les trophées. Quand tu es compétiteur, voilà, ben, chaque chose, chaque match que tu fais, tu joues pour le gagner. Et malheureusement, ben, la Coupe de la Ligue, je crois que j'ai dû faire deux ou trois fois demi-finale. Mais la plus importante pour moi, c'est la Coupe de France. Donc, parce qu'il y a beaucoup de matchs en Coupe de France, il y a beaucoup de matchs. Et, mais, c'est la plus belle, la plus mythique. Il y a tout le monde qui participe. Et puis voilà, c'est. Je suis fier. Ah, surtout que à Marseille, bah, vous pouvez être fier. C'est surtout qu'à Marseille, nous on s'est dit. Enfin, je vais vous dire mon sentiment de. Pardon. Fabien, il était pas à Marseille. Non. Ah, t'étais pas là. Non, j'étais pas là, non. Heureusement, parce que putain. Parce que surtout qu'on. Enfin, au vu des performances de l'équipe, on s'était tous dit, bon, bah allez, on va la gagner, cette Coupe de France. On s'est dit, contre Sochaux, même si c'est une belle équipe, on s'était tous dit, on va la gagner. Ouais. Et on la perd au pénalty. Même tous mes amis qui sont venus au stade, ils pensaient que c'était Marseille qui allait gagner. On la perd au pénalty, quoi. Même si Djibril Cissé met deux buts, on la perd au pénalty. J'ai encore son maillot d'ailleurs à Djibril Cissé. Mais ouais, on la perd au pénalty. Celle-là, elle nous a fait mal. Hein. Je peux pas dire qu'on vous a détesté, parce que ce serait. Mais purée, qu'elle nous a fait mal, celle-là, parce qu'on était tellement sûr de l'avoir. C'est dit, bon. Pardon d'avoir marqué, pardon d'avoir mis mon tir au but. Mais non, vous aviez raison, il fallait le faire, vous l'avez fait. C'est tout à votre honneur. Oui. Il y a une phrase qui dit une finale se joue pas, mais elle se gagne. Ah non, mais tout à fait. Non, mais de toute façon. J'ai gagné toutes mes finales, par contre. J'ai gagné toutes mes finales. Ah, oui. Donc ça veut dire que demain, pour le championnat de demain, tu vas pas pour rien. Bah, j'ai fait qu'une étape de foot golf et j'ai fini meilleur rookie. Meilleur rookie, ça veut dire meilleur nouveau joueur. Meilleur espoir, ouais. Nouveau joueur. Donc demain, c'est ma deuxième. Joueur. Il est énervant. Hein. Il réussit tout, il est énervant. Par contre, là, c'est pas le foot, il va pas gagner demain. Ben, justement, après une carrière aussi riche et remplie de trophées, comment vous êtes venu au foot golf? C'est par l'intermédiaire de Kamel Meriem. Il m'a appelé pour venir tester. Parce que ça faisait Les anciens de Sochaux se retrouvent. Ouais, ça fait un petit moment que j'entendais parler de ce sport. Et Kamel, il m'a appelé pendant les vacances de juin, l'année dernière. Et il m'a demandé de venir tester. Et je suis venu, parce que j'étais sur Aix, en Provence. Donc je suis venu sur le parcours de Cédric. Et j'ai tout de suite kiffé, quoi. J'ai tout de suite adhéré à ce sport. Parce que j'adore tout ce qui est précision. Et puis voilà, comme on ne court plus maintenant, c'est top. Il n'y a pas de prépa physique. Là. Ouais. Ah non, là. Mais j'ai une question à Cédric. Vas-y. Comment tu arrives à motiver les joueurs que tu prends actuellement, tous les anciens pros et tout le reste, comment tu arrives à les attirer comme ça? Parce qu'il y a quand même des beaux joueurs. Oui, je parle techniquement. Hein. Ouais, déjà, je pense que pour venir, tu vois, il faut quand même apprécier la personne et venir. Il faut pas avoir quelqu'un de lourd en face. Et voilà, tu vois, moi, je leur prends pas la tête. Déjà, donc, ils viennent avec plaisir. Que ça soit Fab, que ça soit Anto, que ça soit Dimitri Payet ou même les autres, même Amadou Niang. Ah, mais tu peux le prendre, hein, si tu veux, tu peux le faire aussi au football plutôt qu'à l'OM. Hein. Je te le donne. Hein. Non, mais voilà. Et donc, moi, déjà, dans la première approche, je leur explique comment ça se passe et ils comprennent directement. Je leur montre même des vidéos et tout. Ils voient que c'est un rapport très proche avec le foot. Et voilà, je leur dis qu'ils vont venir et qu'ils vont kiffer, ils vont se régaler. Et du coup, ils viennent. Et automatiquement, en direct, en tant qu'ancien footballeur, on retrouve toute la facette technique du foot, mais sans les contraintes. C'est-à-dire, pas de mauvais comportement, pas d'insultes, pas de tacles, pas de blessures, pas de courses quand on est fatigué. On va choisir que la technique vraiment du foot. Et ça permet d'être dans un cadre magnifique, c'est-à-dire plus beau qu'un terrain de foot professionnel. Et donc voilà, c'est le cadre, il réunit
Il y a le cadre plus la technique du foot. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'amuser. Oui, oui. En plus, tu n'as pas la pression du public. Ben non, il n'y a pas la pression du public. Mais tu sais, quand tu peux demander à Fab... Il y a la pression dans le mauvais sens. Non, mais tu es avec tes collègues, tu as quand même la pression. Tu es à 5-6. Ta chambre. Tu sais que si tu mets un trou, ben les collègues, ils vont pas te manquer. Donc, ah ben oui, voilà, ça chambre. Donc la pression est liée. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien quand tu as été un joueur professionnel, et même n'importe quel joueur, tous ceux qui ont joué au ballon, que ce soit professionnel ou pas, quand tu vas au foot, c'est que tu es un compétiteur. Et quand tu es un compétiteur, ben, tu as envie de gagner, tu as envie d'être le meilleur possible. Et du coup, je vois les gens, moi, qui viennent et qui se prennent la tête direct parce qu'ils voient qu'ils se disent « Ouais, c'est bon, moi j'en ai des collègues, ils arrivent, ils me disent « Ouais, je viens, j'en suis sûr, je te gagne et tout. » Je dis « Bah, vas-y, viens, que tu te dises. » Mais d'un coup, ils arrivent, ils comprennent que c'est vraiment très difficile. C'est vraiment un sport à part entière. Justement, tu dis c'est technique et tout le reste, mais à certains joueurs, quelle fibre tu leur donnes pour leur donner des conseils? Parce que c'est pas évident, comme tu disais, tu as été jusqu'en CFA, mais quand tu as des pros ou quoi que ce soit qui viennent, les conseils que tu leur donnes, comment ils le prennent? Les pros, quand ils viennent, c'est ce que j'ai fait en tôt, pareil, et même à Dimitri, je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, je vous explique, c'est moi le pro. C'est moi qui vais vous expliquer, mais ça c'est en rigolant, tu vois, c'est pour les détendre. Oui, mais oui. Après, ce que je fais en fait, quand je les accompagne, je leur explique de A à Z. C'est-à-dire que je leur dis, ben voilà, là tu dois aller ici, il faut que tu enroules ton ballon vers là, il faut que tu le fasses tomber ici, il faut qu'il roule pas plus loin que ça. Et en fait, je les accompagne à chaque frappe, ce qui fait qu'ils font moins d'erreurs, parce que si je les laisserai tout seul, tu arrives. Des fois, ben, malheureusement, la différence avec le foot, c'est que quand tu joues au foot, tu dois faire une passe à quelqu'un, d'accord? Le ballon, c'est la personne qui va l'arrêter. Et là, la différence énorme, c'est que tu dois arrêter ton ballon à un endroit précis. Et c'est ça qu'ils ont du mal au début. Et bon, après, c'est normal. Hein. Mais je veux dire, par exemple, tu es à 40 mètres, ton ballon, il faut qu'il s'arrête à 40. Par contre, maintenant, si je vais leur dire, fais-moi une passe à 40 mètres, ils vont arriver à la faire. Mais le truc qu'il y a, c'est que là, le terrain, il y a des pentes, il y a des montées, il y a des descentes. Et du coup, il faut analyser la trajectoire. C'est ce que je leur dis, des fois tu tires un coup franc, ben, il est à un mètre près, il est en pleine lucarne. Et 10 cm à côté, il est sur le poteau. Et 10 cm encore, il est en dehors. Ben, là, le foot golf, malheureusement, les centimètres, ils comptent. C'est-à-dire c'est encore plus précis, quoi. Si tu es à côté, ben, tu n'es pas dedans. Ben, c'est logique. Mais si tu n'es pas dedans, ben, il n'y aura pas de poteau rentrant. Quoi. Tu as eu des réticents quand même? Non, sincèrement, non. Non, non, que ça soit dans les joueurs ou même dans les clients, sincèrement, j'ai 100% de personnes satisfaites. Il n'y a personne qui m'a dit, oh, pff, franchement, je me suis embêté, j'ai passé un mauvais moment. C'est jamais arrivé, sincèrement, c'est ludique. Tu viens entre amis, tu t'amuses déjà. C'est comme si tu promenais dans un parc de très grande qualité. Et en même temps, tu tires le ballon et c'est ludique, tu t'amuses, tu partages un bon moment. Donc. Non, sincèrement, j'ai jamais eu de mauvais retour. D'ailleurs, Cédric, je vais venir cet été le tester. Mais avec grand plaisir. Par contre, ne me filme pas, parce que là, tu t'as mis obligé. Obligé de filmer. C'est sur le bêtisier. C'est la règle. Moi, si je viens, ça va. Toi devant moi, je filme. Et alors, moi, j'ai une question personnelle. Est-ce qu'il y a, tu sais, comme en golf, est-ce qu'il y a des lacs artificiels ou quoi sur le parcours? Parce que moi, tu me réserve-moi une place directement dedans, ça en ira pour moi. Il y a des lacs ou pas? Ah oui, il y a des lacs demain ou pas? Ouais. Souvent chercher ton ballon dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a des ballons qui sont partis là-bas dedans. Ah ben alors là, écoute, le parcours de demain, c'est la finale de l'année dernière, et tous les 2 mètres il y a un arbre de chaque côté et il y a des lacs. Donc voilà, si tu es pas précis, ben tu pars dans les arbres. Voilà. Demain, c'est championnat de France individuel ou par équipe? Ouais, les deux, individuel et équipe. Tu marques des points en individuel qui compteront pour l'équipe. Mais c'est la finale qu'on n'a pas pu jouer à cause du Covid. Et là, actuellement, je suis deuxième. Il faut que j'essaye de gagner la finale pour terminer premier. Et ça fait que je serai une deuxième fois champion de France si je venais à réaliser ça ce week-end.
Et c'est que tous les matchs. Donc à côté de toi, c'est ton coach. C'est mon élève. C'est mon élève. Je l'ai formé. On peut dire que c'est mon fils. Et quand même, on l'a pas souligné. On n'a pas souligné, mais il y a deux champions d'Europe ensemble. C'est ça. Oui. Non, mais il arrive. En tout cas, comme j'y ai dit, j'ai rendu hommage là, suite à l'annonce de la retraite. On l'a vu. Sincèrement, même Fab, c'est pas parce qu'ils sont là, hein, mais c'est les deux qui s'en sont le plus sortis. Fab, encore, c'est compréhensible parce que il a joué au golf, donc il a déjà l'approche golfique. Mais Anto, sincèrement, c'est vraiment propre pour un démarrage de jouer avec ce niveau-là. Franchement, c'est très propre. Et il y avait aussi Valère Germain qui avait été vraiment impressionnant. Qui avait été pas mal parce qu'il fait du golf aussi. Donc ouais, voilà. Chercher le club l'année prochaine. Samson, il avait un peu chambré, il avait dit ouais, tu vas voir et tout, mais Samson, il avait fini derrière. C'est Germain qui avait fini devant. Et remarque que là, tu peux le récupérer parce qu'ils l'ont mis dehors de la commanderie. Il peut pas être mauvais partout, le pauvre. J'ai vu. Non, mais c'est méchant. J'ai vu. Honnêtement, ça, je trouve que c'est inadmissible ce qu'il a fait. Mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est assez brutal. Après, c'est pas. Même, tu vois, Cédric, moi, c'est pas un joueur qui fait. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de vagues ou qui parle mal au niveau du club. C'est ça. Moi, j'ai pas aimé qu'il le fasse même pas rentrer le jour de son anniversaire. Ça, c'est honteux, par contre. Ouais, je pense qu'il méritait une autre fin, mais bon, il n'y a pas de public en même temps. Tu vas le faire rentrer, bah, pourquoi après, c'est ça qui est délicat, mais bon. Et tout, hein, mais bon, c'est pas parce que c'est son anniversaire non plus qu'il faut le faire rentrer ou lui faire un cadeau. Donc, à un moment donné, on est un professionnel, le côté affectif, l'anniversaire, s'il veut, il offrira un coup après, mais tu vas pas le faire rentrer si c'est son anniversaire. Quoi, tu sais, ouais, mais après, je trouve que les écartés au dernier match, comme il a fait cet entraîneur qui pomperait au football, moi je l'aime pas de manière. Moi, j'ai une question pour Anthony et pour Fabien. Ben, vas-y, Chris. Entre Anthony qui a joué à Liverpool et Fabien qui a joué à l'OM, c'est qui est le public le plus chaud? Bah, Liverpool. Je vous laisse débattre. Bah, c'est pas mon fils, finalement. C'est mon neveu. Mais je pense que c'est différent. C'est différent, les deux stades. J'ai eu la chance de jouer dans les deux stades. Bah, c'est deux passionnés, deux publics passionnés quand même. Ouais, c'est ça. Ils le vivent différemment, peut-être, culture. C'est assez différent. Anfield, il y a une atmosphère. C'est indescriptible, en fait. Il faut le vivre. Et à Marseille, bah, c'est plus. Je dirais, c'est sauvage. 80 minutes, 34 heures. Après, il a raison ce qu'il dit, Anthony, il a raison, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller voir un match à Liverpool. Mais c'était Liverpool OM, quand Valbuena a fait son enroulé dans la lucarne, à Anfield. Et c'est vrai que l'ambiance de Anfield Road, c'est. Ah ben, c'est quelque chose. Après, hein. 45 000 spectateurs. C'est pas. Au Vélodrome, il y a le double. 60. Il n'y a pas 80. Oui. 65. Ouais. Non, c'est le Stade de France. 65 000, je crois. C'est le Stade de France qui fait 80. 65. Oui. Le nouveau stade, c'est 65. 65. Et avant, c'était combien? 45. C'était descendu. 45. Le plus bas, ça a été 45. Donc, il y a plus de supporters chez nous qu'à Liverpool. Juste pour Non, mais c'est vrai qu'au Stade de France, on était 80 000. On était 80 000 au Stade de France. C'est pour ça, c'est trompeur. Cédric, tu dis on est 65 000. Sans compter tous les gens qui rentrent gratuits. Ah oui. Ça, c'est les déclarés. Ça, 65 000, c'est les déclarés. C'est autre chose. 65 000, parce que moi, je suis allé voir contre Leipzig. J'ai jamais vu autant de personnes sauter monter dans les virages, sauter dans les grillages et tout le reste. Ah, par contre, moi, j'ai assisté à Marseille PSG et c'était vraiment électrique. C'était waouh, c'était incroyable dans ce nouveau stade. Déjà avant, voilà, quand je jouais, bah, c'était ouvert. Il y a de l'ambiance, mais c'était ouvert. Mais là, on ferme le stade avec le match phare contre le PSG de Zlatan.
C'était incroyable. Les 5 premières minutes, mais... je crois que je n'avais jamais ressenti. Moi, j'ai goûté, pour ma part, j'ai goûté celui de contre Lyon, les 120 ans là. Ouais, moi, je peux te dire qu'un OM Lyon, il a été plus chaud qu'un OM Paris. Ah ouais? Parce que j'ai jamais vu. Le cortège qu'il y a eu une heure et demie avant le début du match. Je vais poser une question piège à Anthony Letalec. Marseille ou Paris? Ça, c'est dangereux, par contre. Ah oui! Oh, mais ça va, on nous regarde pas, on est trois. La vérité, moi, quand j'étais petit, j'allais au Parc des Princes avec mon père. Et voilà, mon idole, c'était Georges Weah. Il a joué deux. Il a joué à Marseille. Ouais, mais c'était quand Weah, il était à Paris. Mmh. Oui, ah ben... Comme je l'ai dit, chacun son équipe, hein, c'est pas une guerre. Ah, on a tous le droit de faire des erreurs dans la vie aussi. Voilà. Ouais. Puis là, rien que sur le live, tu as quatre vrais Marseillais là. Donc, Cédric. Tu es entouré. Cédric. Oui. Une chose, c'est quoi leur bizutage quand ils viennent dans ton stage? Il se met à quatre pattes et je dois frapper dans les fesses. Parce qu'il y a toujours, ça. Hein. Dans n'importe quelle équipe, quoi que ce soit, il y a toujours un bizutage dès le départ. On garde la chanson. Après, je voulais revenir sur une chose. Donc, puisqu'Anthony a été formé au Havre, et moi j'ai envie de souligner quand même que à Marseille, il y a beaucoup de joueurs du centre formation du Havre qui sont arrivés. Et beaucoup. Ouais, Mandanda. Edouard Mendy aussi. Benjamin Mendy. Il y a Edouard Mendy, le gardien, non? Il a joué à Marseille. Oui. Il y a Oui. Il y a lui. Il y a qui d'autre? Pour dire qu'on l'a vu, ce goal, c'est un monstre. Mais... Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Havre. Ah oui, il y a celui qui est au milieu de terrain, là. Sénégalais. Ah oui. Pas Gay. C'est Gay. C'est Gay. Oui, bah oui. Il était capitaine, d'ailleurs. Tiens. Et moi, j'ai failli signer à l'OM en 2010. Et alors, heureusement, Deschamps, il a mis son veto. C'était Pape Diouf et Anigo qui me voulaient. Grave, il m'appelait tout le temps. Et Deschamps a mis son veto parce qu'il y avait un problème d'agent. Je n'avais pas le bon agent, en fait. Je n'étais pas Ibernès. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas signé à l'OM. Ouais, c'est ça, je fous un genre d'agent. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas demandé de changer d'agent, quand même. Comment? C'était qui à ton à l'époque ton agent, Anthony? Ah, mon agent, il a fait des histoires à l'OM. Karim Akil. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas signé, en fait. Jean-Pierre, tu as des questions pour Anthony encore hein, ou... Des questions, plus une impression. C'est quoi le plus impressionnant? C'est une question bête. Gagner la Ligue des Champions avec Liverpool ou gagner la Coupe de France au Stade de France, sachant que les plus grands ont joué au Stade de France. C'est quoi le plus impressionnant? C'est ça la question. La Ligue des Champions, quand même. C'est logique. La Coupe de France au Stade de France, en fait, c'est pas rien non plus. Ouais, mais Jean-Pierre, ta question, elle a aucun sens. Moi, je préfère gagner la Ligue des Champions que la Coupe de France. C'est logique. Je parle de l'endroit. Bien sûr que le trophée est plus important. Je parle d'endroit. Les endroits sont mythiques. Tu gagnes une finale de Ligue des Champions ou une finale de Coupe de France? C'est lequel a le plus de valeur, c'est ça surtout. D'accord. C'est deux coupes mythiques que n'importe quel footballeur signe des deux mains pour l'approcher. Et lui, il les a gagnés les deux. Est-ce que tu as une question pour Cédric maintenant, Bruno? Je vois qu'il est en pleine forme, donc j'espère que demain il va tout casser. Et puis, non, moi, j'ai pas de question spécialement. Attention à la surprise, je vous le dis. Non, il n'y a pas de surprise. Non, la surprise, c'est qu'il va aller dans un arbre. Allez. Tu sais que, Cédric, une question. Tu sais qu'on peut suivre la compétition. Il y a moyen de suivre cette compétition ou pas du tout? Oui, c'est ce qu'il demandait Christophe. Oui, vous allez sur Facebook, sur la page Foot Golf Cup. Ouais. D'accord. Vous allez, c'est toute la journée?
C'est toute la journée, comment ça se passe? Il y a 18 trous le matin, de 8h30 à 13h. L'après-midi, on joue en double. Donc, j'aurai la chance exceptionnelle de jouer avec mon compatriote demain. Donc, je vais le driver un peu. Et le dimanche matin, il y a le deuxième round. Il faut savoir, c'est des compétitions sur deux jours. Et du coup, on cumule le score. Donc, demain, l'objectif, bon, c'est d'être le plus haut possible. Mais c'est de rester placé, justement, pour être en embuscade pour la dimanche, deuxième journée. La deuxième journée qui sera le round final. Et là où il faudra aller chercher les coups, où la tension sera à son comble. Je vais te parler, mais ça coûte une blinde quand même de pouvoir faire les déplacements et tout le reste. Est-ce que tu as des sponsors et tout le reste? C'est ça, oui. J'ai pas mal de sponsors qui m'aident, des collègues qui ont des entreprises ou alors des entreprises que j'ai fait connaissance et qui ont compris ma motivation et qui m'accompagnent justement pour atteindre mes objectifs. Et du coup, oui, c'est clair que ça coûte cher. Là, par exemple, tu dois monter à Metz, vas-y, prends le TGV pour monter à Metz, après tu prends un autre TGV pour aller là, tu as l'hôtel, tu as les repas, tu as les frais d'inscription. Là, dimanche soir, je rentre et lundi soir, je pars pour Cancun. J'ai le tournoi à Cancun. De Cancun, je reviens direct, je vais en Slovaquie. Donc c'est ouais c'est ah, ça va te changer comme ambiance hein, d'Amnéville jusqu'à Cancun. C'est fédération, c'est FFF, à l'heure actuelle c'est l'association française de football qui gère ça, mais ils sont en pleine signature avec la FFF justement pour être reconnus officiellement par la fédération. Et par contre tu as la fédération internationale du football mondial qui organise tous ces événements mondiaux. Donc là, par exemple, je vais jouer un major à Cancun. Par exemple, c'est comme un master au tennis. Golf, ou au tennis, voilà, pareil. Voilà. Il t'aide quand même au niveau international? Non. C'est chacun doit se débrouiller. Donc moi, j'ai les sponsors qui m'ont financé ma saison. Et du coup, maintenant, c'est à moi d'être bon et d'aller chercher des prize money qui feront office de salaire, en fait. Par exemple, tu vas à Cancun, tu as 20 000 dollars à gagner. En Slovaquie, tu as 20 000 euros à gagner. Mais bon, il y a 200 joueurs et tu n'en as que 3 ou 4 qui gagnent, quoi. Donc, il faut être dans les meilleurs à chaque fois. Donc, c'est la régularité qui est le plus dur. Et Anto ? Imagine. Je te donne un exemple, Cédric. C'est ce sport, en fait. C'est comme au foot. On peut dire que c'est comme au foot. C'est facile d'être bon un match. Regardez ce que j'ai reçu à l'instant. C'est juste parce qu'on parlait de ça. L'écharpe Sochaux OM. Je vais le recevoir sur Insta. Ah, bah oui. Non, mais comme je disais, que ce soit au foot ou au foot-golf, c'est pareil. C'est très facile d'être bon un jour. Tu vas être en état de grâce, tu vas être bon, tu vas faire un bon match. Et le plus dur, c'est comme Cristiano Ronaldo et Messi, hein. Justement, c'est de durer et de toujours être au top. C'est ça qui est dur. Cédric, juste une parenthèse vite fait, tant que je t'ai, sinon j'ai oublié, demain tu seras pris. Est-ce que tu pourras m'envoyer le numéro de Fabien Laurenti? C'est déjà, on l'a vu ensemble. Ouais, bien sûr. Parce que je l'invite pour le live de mercredi pour le 26 mai avec Aideli, Thomas Vido et les autres qui se prononcent. Oh, Thomas, il sera là. De quoi? Ah, Thomas Vido, je connais. Mon petit garçon. Ouais, il y aura Thomas, il y aura Jean-Jacques Aideli. Mm. Et après, Fabien Laurenti. Après, j'attends d'autres réponses, mais ils n'ont pas répondu encore. On va pas attendre jusqu'à lundi. Je te l'enverrai, ouais. Ou Fab, ouais, je verrai, de toute façon. Pas de soucis. Voilà. Ah, moi aussi je vais aller, c'est l'heure d'aller au dodo. À bientôt. Bonne compétition. Merci. Et comme on dit au football, merde. Bonne soirée. Puis à la fin, c'est toujours les Marseillais qui gagnent, hein, Cédric. Complètement. Allez, voilà. Et merci. Ramène la coupe à la maison, c'est tout. On va donner le match. Merci. Allez, merci Cédric, merci Anthony. Merci Cédric. Bonne soirée. Merci Cédric, bye. Et merci Anthony aussi. Et merde à vous pour demain. Merci, c'est gentil. De rien. Ciao les gars et bon courage.
Allez, bon, mais on va garder Fabien Laurenti, écoute. Ah bah, hey. Il voit ce qu'il attend, hein, s'il continue en foot golf. Hein. Ouais. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, c'est plus du plaisir, de la détente avec les collègues. On passe de vraiment de bons moments. Et pour le moment, c'est très bien. Une question. Bah, de là, on va faire une compétition. Est-ce que tu as joué contre Anthony Letalec? Oui, on a dû se croiser, oui. Moi, j'ai fait 12 ans en pro, donc entre 2002 et 2014. Donc oui, je pense qu'on a dû se croiser, oui. Après, c'est vrai qu'avec le recul, les années, on les confond. C'est vrai qu'on se souvient plus trop les clubs dans lesquels il était et tout. Mais oui, on a dû se croiser avec Anto. C'est sûr, quand il était à Sochaux en 2007, moi, j'étais à Lens déjà. Donc on a dû se croiser, c'est sûr. Et moi, j'ai une question. Quel est le club qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Ah ben l'OM, forcément. C'est en étant né Marseillais, en étant suivi, en allant au stade pour suivre la grande équipe de l'OM, de Jean-Pierre Papin, Waddell et compagnie, avoir suivi l'épopée de 93 et le rêve de gagner cette Ligue des Champions, forcément, en ayant pu jouer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste mmh. l'OM. Quoi qu'il en soit, hein, on a le sang bleu et bleu jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est un bras à Dédé Gignac, ça. Il y a une info foot. Sachez qu'en barrage, Toulouse mène 2-0. Et c'est la 67e contre Grenoble. Ouais, à Toulouse, ils vont y aller. Mais ouais. Grenoble, ils n'avaient pas gagné, il me semblait. En tout cas, ils n'avaient pas gagné alors qu'ils perdent. Il me semble que le tour, enfin alors ce doit être le tour précédent qu'ils avaient gagné. Oui, alors. C'est ça. Ouais, Grenoble, ils avaient gagné contre le PFC 2-0. Ouais, merci. Là, ils perdent 2-0 à Toulouse. Fabien. Fabien, juste une question. Ils m'ont ressorti Laurent Batles hier. Hein. Ma parole, il te poursuit depuis que je te l'ai sorti, hein, Yannick. Hein. Je me saoule. Tu trouves que tu ressembles à Laurent Batles, toi aussi? Non, pas ça plus m'a... que ça, non. Merci. Il a retrouvé le sourire, Yannick. Parce qu'il a un peu pris du poids. Je te jure, ça fait deux fois en une semaine. Depuis que je t'appelle comme ça, ça fait deux fois qu'il le ressort. Il est pressenti d'ailleurs pour aller entraîner à Lens, je crois. Ouais, mais non, mais je sais. Mais j'ai dit ma parole, il suffit que je... Et depuis une semaine, je vois de longues des photos de Laurent Batles. C'est parce que tu l'as pas bien vu, mais quand tu le verras bien, tu verras. Si vous avez des questions pour Fabien Laurenti, ouais. Moi j'ai une question. Tu as dit que tu allais entraîner les 16 ans à Aubagne. Oui. C'est juste le début de quelque chose. Ouais, j'avais les U11 cette année, donc ça a été ma première année en tant que coach. Bon, ça a été une année particulière avec le Covid, forcément, donc notre championnat a été arrêté très très tôt. Mais j'espère vraiment de tout cœur que la saison prochaine on pourra au moins jouer notre championnat. Mais ouais, c'est une nouvelle aventure qui débute pour moi. Et moi aussi je suis inscrit au BEF comme Anto. Donc c'est une nouvelle aventure. C'est vrai que quand on est joueur, on a du mal un peu des fois à comprendre son coach. Mais là, je bascule de l'autre côté. Et en tout cas, je ferai en sorte que mes joueurs puissent comprendre du mieux possible le message que j'essaierai de leur transmettre. Je te le dis comme ça, hein, Fabien. Je fais des lives beaucoup avec des clubs amateurs. On a bientôt le club des Bouches-du-Rhône de Saint-Victoré. On a eu Fabrice Calas la semaine dernière. Si un jour tu veux venir parler de ce que tu fais à Aubagne, c'est avec grand plaisir. D'accord, avec plaisir. C'est gentil. Ok, pas de souci. Christophe, Jean-Pierre, des questions? Moi, juste, parce que je te disais ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la région qui entraînent les jeunes, mais on a du mal à avoir des anciens pros entraînés, que ce soit National 2, National 3, ça devient rare. Ça saute directement, en fait, ça entraîne les jeunes, et après, ça monte professionnel. On n'a pas cette barrière entre National 2 et National 3. Ça te dit quelque chose, toi, ou moi, franchement, je ne peux pas te dire aujourd'hui si un jour je serai entraîneur en pro, parce que
J'ai envie de prendre vraiment les étapes les unes après les autres, prendre mon temps, voir d'abord déjà si ça colle bien, et puis après, pourquoi pas. Mais moi, vraiment, j'ai envie de vraiment de faire ce passage. C'est-à-dire que là, j'ai eu les U11, les U16, et puis j'espère avoir un jour des seniors, une équipe peut-être de CFA ou CFA1 ou CFA2. Et puis après, pourquoi pas, si j'ai les qualités requises pour pouvoir entraîner plus haut, pourquoi pas. Mais d'abord, vraiment, voilà, franchir les étapes les unes après les autres, tranquillement, sans trop se presser, parce que des fois, quand on se presse un peu trop vite, on se casse un peu la gueule aussi. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre son temps, bien apprendre le métier. Et puis après, voilà, si j'ai la chance d'aller entraîner plus haut, on le fera avec plaisir. Surtout que Auban, c'est bien restructuré sur les jeunes aussi. Ouais, exactement. Ouais. Depuis que le président Jeanne Ingros a repris le club, il essaye vraiment de mettre une politique très très intéressante au niveau des jeunes. Donc voilà, on essaye de travailler du mieux possible. Alors c'est long, voilà, ça prend du temps forcément, hein, le temps de remonter un club, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, c'est intéressant, on essaye de travailler correctement. Et puis voilà, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Moi qui suis le National 2, National 3, puisque je suis dans les tribunes pratiquement tous les week-ends, j'ai vu vraiment une force à Aubagne, que ça soit sur les infrastructures et au niveau des jeunes et tout le reste. Ça commence à prendre forme parce qu'il y avait une différence entre l'équipe première et tous les jeunes qui avaient derrière. Ça avait du mal. L'année dernière, je pense qu'il y avait 5-6 jeunes qui étaient montés de 19 ans en équipe première. Ça fait du bien quand même. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que comme je te l'ai dit, le président s'efforce à faire les choses correctement. Donc, c'est vrai que quand on voit que le travail porte ses fruits, c'est toujours intéressant, c'est toujours bien. Alors, c'est pas fini parce que voilà, un club comme Aubagne mérite d'être encore plus haut, notamment chez les jeunes. Donc, il faut aussi s'appuyer sur la saison de la Nationale 2 qui a été superbe, malheureusement, qui n'a pas pu aller à son terme. Mais quand on voit le parcours en Coupe de France qu'ils ont fait et tout, c'est une belle vitrine. Il faut s'appuyer justement sur ce genre d'événement pour pouvoir prendre ce tremplin et que le train suive derrière, quoi. Vous avez des légionnaires qui jouent chez vous ? Des légionnaires ? Parce que c'est pas loin, le stade, il est pas loin de... En équipe nationale 2, je crois pas, non. Je crois pas. Il me semble pas. Et donc, enfin, vous vous lancez, on va dire, vers le... Enfin, c'est un but avéré de monter de plus en plus, on va dire, pour aller essayer d'aller entraîner peut-être la CFA d'Aubagne, ou vraiment c'est encore trop tôt pour se projeter pleinement. Oui, moi, sur le long terme, ça me plairait d'avoir une équipe senior, une équipe une. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, je prends mon temps. Il faut que je passe d'abord mes diplômes, que j'apprenne ce métier, parce que c'est pas parce qu'on a été joueur de foot professionnel que forcément on va être un bon entraîneur. Ça s'est déjà vu au haut niveau de partout. Hein. Il y a des grands joueurs. Quand on voit Michel Platini qui a été sélectionneur de l'équipe de France, ça s'était pas très très bien passé. Et donc voilà, c'est les ça s'est vu. Donc c'est entraîner, c'est un métier. Il y a des choses à apprendre. Donc voilà, moi je prends mon temps, passer mes diplômes tranquillement, faire mes preuves aussi sur le terrain avec les jeunes, et après quand je m'en sentirai capable et quand un club surtout me donnera et me fera confiance, ben voilà, ce sera avec grand plaisir que je relèverai. Plutôt dans le coin si ça devait arriver, ou carrément. Oui, bien sûr. Ben oui, non, ce serait surtout ici dans le coin, dans la région, parce que ben c'est après Paris. La région PACA, c'est surtout la région marseillaise, c'est là où il y a le plus, quand même, le vivier est le plus intéressant, où il y a le plus grand nombre de joueurs en qualité. Donc, oui, moi, ça serait vraiment de rester ici, de rester dans le coin, oui. Et puis, bon, il y a quand même pas mal de clubs du coin, en CFA2, en CFA, donc. Bien sûr, bien sûr.
C'est quand même... oui, oui, de toute façon. Et tes U16, ouais, ils seront en quoi cette année? On est en D1. Donc, on est en D1. Donc, c'est un niveau qui est pas à la hauteur d'Aubagne. Donc, c'est pour ça qu'on a un gros travail à faire sur les jeunes. Donc, de toute façon, les faire monter en régional, voire après en national. Ouais. D'abord, en régional, on va prendre les choses les unes après les autres. Mais c'est vrai que pour un club qui est structuré comme Aubagne, avec l'histoire qu'il a, c'est pas normal qu'on soit en D1. Donc, voilà, on va s'y mettre sérieusement et puis en espérant que les choses se passent bien petit à petit. D'ailleurs, l'équipe d'Aubagne qui a fait un gros parcours en Coupe de France cette année, je crois qu'ils sont inclinés contre Toulouse, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est ça. À Martigues, d'ailleurs. Oui. C'était à Martigues. Arrivé. Pour comment ça, ils n'avaient pas les. Enfin, oui, j'allais dire. Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas accueillis à Aubagne? Parce que ça aurait peut-être été un atout. Je pense que le stade n'était pas en norme. Il n'était pas homologué? Non, le stade n'est pas homologué pour ce tour-là de Coupe de France. Au niveau sécurité, tout ça, il n'y avait pas tout qui rentrait. Il faut que ça soit fermé. Ouais, pour que le stade soit fermé. Il faut un certain nombre de places assises, tout ça, donc on rentrait pas dans la catégorie des stades qui puissent accueillir ce. C'est dommage parce que ça désavantage en fait le petit entre guillemets qui a son avantage de jouer chez lui, qui connaît son stade. Ouais, c'est sûr, c'est vrai qu'avant, peu... avant à l'époque ça existait pas. Moi, je suis allé jouer dans des 16e et des 8e de finale dans des petits stades avec des mains courantes. Donc, oui. Et c'est vrai que c'était très, très compliqué d'aller s'en sortir parce que la pelouse n'était pas terrible et l'ambiance, quand les supporters sont vraiment collés comme ça au bord de touche, c'est pas évident, c'est pas facile. Et, c'est ça qui fait le charme pour moi de la Coupe de France. C'est ça qui fait le charme, exactement. Voilà, c'est pour ça que d'avoir délocalisé le match à Martigues, quelque part… Il manquait la piste cyclable. Ouais, c'est vrai. Et puis là, même quand on voit Rumilly là, en demi-finale contre Monaco, qui a été délocalisé à Evian, c'est pareil, quoi. Ça leur casse tout leur avantage, Ouais. Non. Alors je dis pas qu'ils se seraient qualifiés chez eux, hein, mais ça laisse quand même un atout supplémentaire à la petite équipe entre guillemets, quoi. Et oui, c'est vrai que. Et parce que vous en avez pas parlé, mais moi je voudrais quand même que. Est-ce que vous avez fait des épopées en Coupe de France, que ce soit avec l'OM, avec Ajaccio, des trucs dont vous vous souvenez, dont vous voulez nous parler, des fois on se gamelle, on est éliminé en 32e, mais des fois on va en quart, on va en demi, ça laisse des souvenirs plein la tête. Est-ce que vous en avez des comme ça? Ouais, j'ai fait un quart de finale avec Brest. J'ai été prêté à Brest pendant 6 mois quand ils étaient en Ligue 2. On a fait un quart de finale j'ai fait une finale de Coupe de la Ligue avec Lens. Bon, alors le parcours est beaucoup plus court que la Coupe de France. C'est 6 matchs, non? C'est en Ligue 2 ou Ligue 1, c'est 6 matchs au total maximum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est court. Hein, c'est très court pour aller en finale. Mais bon, ça reste quand même. Ça reste un trophée. Ça reste un bon et un mauvais souvenir parce que l'épopée, c'est sympa à vivre, parce qu'il y a l'engouement qui suit, et le mauvais souvenir, c'est forcément la. Alors, pour deux raisons, il y a la défaite au bout, et surtout, moi, quand j'étais à Lens, j'ai perdu contre le PSG, donc en étant Marseillais, ça a du mal à passer. C'était quelle la finale qui met la banderole? C'est ça, exactement, ouais. Ça touche, hein? Ouais, ça touche parce que ça touche parce que quand on porte ce maillot, on s'identifie de suite à ses supporters et c'est vrai que ça touche. Mais bon, après, on connaît l'intelligence des supporters de Paris, hein, donc ça après. Ça, malheureusement, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Voilà, donc bon, c'est voilà, mais bon, ça reste quand même un bon souvenir dans l'ensemble, quoi. Du coup, tu as fait le Stade de France, alors?
Eh ouais, oui. j'ai fait le Stade de France, ouais, j'ai fait le Stade de France aussi. Et, parce que tout à l'heure, on a parlé à Anthony Le Tallec sur la finale gagnée en Coupe de France, mais toi, de rentrer dans ce stade, justement. Ouais, c'était beau, c'était impressionnant. C'est un très, très beau souvenir aussi. Le stade était plein, hein, il y avait 80 000 ce soir-là. Il y avait 40 000 Lensois qui étaient venus, donc c'était vraiment superbe. Mais c'est vrai que c'est un très, très beau stade. Mais après... sincèrement, sans être chauvin, ça vaut pas notre stade ici au Vélodrome, parce que le Vélodrome, quand il y a 65 000 comme contre Lyon, j'y étais pour les 120 ans. C'est chaud. Hein. Moi, je t'ai dit franchement, ah, ouais, j'ai fait le cortège avec le groupe des Winners. C'était incroyable. J'étais derrière eux, de David jusqu'au stade. C'était ça faisait incroyable. Un moment que le stade, un moment que autour du stade, ça vibrait pas autant. C'est vrai, c'était assez hallucinant. Donc rien que pour ça, quand même, je préfère notre bon vieux stade Vélodrome. Oui, ah, c'est pas pareil. Hein. C'est... Et vivement que nos supporters retrouvent leur place dans les tribunes, parce que c'est triste de voir ces stades vides comme ça, et c'est pas du tout la même saveur. C'est triste, et les décisions, elles sont encore plus bêtes, on va dire, parce que c'est 1000 supporters à domicile, je crois. Ouais, pour le moment. Mais je pense que ça va changer. Puis surtout, je pense qu'il y avait quand même une organisation qui aurait pu être très simple à faire et pas si compliquée que ça. C'est de demander un test PCR à tout le monde et puis qu'il rentre et puis c'était terminé. Avec la technologie qu'il y a en ce moment sur le téléphone, le supporter, il sait qu'il y a le match le samedi, il va faire son test le jeudi, il prévoit le truc. Il reçoit la réponse sur son téléphone. Il a son résultat négatif. Il peut aller au stade. Point barre. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, je pense. Hein. Après, je dis pas que je suis président de la République ou organisateur, mais je pense que si on aurait pu faire un effort, les stades, ils auraient pas été si vides que ça. Voilà. Je pense. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est même dans les stades amateurs. Hein. Dans les stades amateurs, plus avoir de public, qui vivent de buvettes, de tournois et tout le reste pour les enfants, c'est énorme. Bien sûr. Parce que arrêter le football pour des enfants alors qu'ils ont payé une licence, quand je prends le prix des licences, que la fédération actuellement, ils veulent même pas faire un geste pour pouvoir aider des jeunes qui se sont saignés alors qu'ils ont fait que des entraînements. C'est vrai. C'est un peu voilà. Il y a le championnat d'Europe qui va peut-être. J'ai lu que dans le sud il y avait une aide de 50 euros, je crois, pour les licences, qui avait été faite par le. Je crois que c'est la Ligue Occitanie qui l'a mis en place. Ouais, oui, après, mais il y a pas que hein, dans les Bouches-du-Rhône aussi, il me semble. Oui, non, mais dans le sud, oui. Dans le sud, oui, comme va te le dire Fabien, mais dans le nord, ils n'ont pas cette mentalité. Parce qu'ils ont rien alors, donné. Peut-être pas. Peut-être ouais, pas. Non, non, après, je sais que nous, à Aubagne, le club va faire un geste sur les équipements la saison prochaine. C'est-à-dire que pour le même prix de licence, il y aura un package au niveau des équipements qui sera beaucoup plus fourni que cette saison. Je ne parle pas des clubs. Hein. Les clubs, ils sont en train de faire un maximum pour pouvoir justement re-attirer les jeunes, parce que justement pour ça. Mais je pense que la fédération, avec ce Covid, tous les matchs diffusés à la télévision, même si c'est vide dans les stades, ils prennent quand même un cachet, hein, on va me le dire. Mais au moins une redescente là-dessus, sachant qu'il y a le championnat d'Europe qui est en train d'arriver, tu ne vas pas me dire qu'entre les publicités et tout le reste, ils n'auraient pas pu faire quelque chose. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est pas à vous que je vais apprendre que... L'argent va à l'argent, malheureusement c'est comme ça, c'est un peu compliqué, et puis malheureusement on ne vit pas dans le monde des bisounours, voilà, c'est compliqué. Non, mais ouais, c'est ça fait mal au cœur de voir ce stade vide, et que même si on nous permet de voir le Vélodrome, on va nous dire ah oui mais il y a que 1000 personnes. Mais j'ai envie de le prendre le mec, de lui mettre des gifles, de lui dire attends, dans un stade de 60 000, tu n'es pas capable d'en mettre 20 000, non, juste 1000 personnes. Ouais, mais non, mais même. Ça va sonner creux quand même. Hein. Même que de mettre 5 000 personnes par tribune. Oui, dans les tribunes qu'on a, à Gannet, on met 5 000 personnes bien écartées.
franchement, c'est rien, quoi. Ça rentre tranquille. Et tu as déjà 20 000 personnes dans le stade. Donc, c'est pas 60, mais c'est déjà 20. Moi, il y a un truc, pardon Fabien, il y a un truc qui m'avait marqué en période de Covid. D'ailleurs, ça avait fait le tour, mais ça n'avait pas été relevé par grand monde. Donc, vous rappelez quand l'OM jouait en Coupe de France contre Lyon en période de Covid, qu'on n'avait pas le droit d'y aller au stade. Les rassemblements étaient interdits. Ouais. Par contre, le rassemblement qu'il y a eu devant le Parc des Princes pour que les supporters parisiens aillent les accueillir contre Dortmund, ça par contre, on ne l'a pas sanctionné. Mais par contre, ouais, les Marseillais n'avaient pas le droit d'y aller, mais par contre, eux y étaient devant le Parc des Princes. Non, mais c'est pas normal. À un certain moment. Eh, mais bon, après, on le sait, hein, l'antagonisme qu'il y a entre Paris et Marseille, il n'est pas nouveau. Hein. Oui. Macron, c'est le supporter de l'OM, mais il aurait dû mettre le veto. Bon, ça va, c'est pas nouveau, malheureusement. Tu sais, depuis de nombreuses années, il y a des décisions qui font que. Je vais prendre l'avis d'un pro, comme ça au moins, vous, je vous laisse de côté. Fabien, que penses-tu de l'entraîneur actuel de l'OM, Jorge Sampaoli? Oh là là, ça y recommence. écoute, je connais un peu le personnage parce que bon, je suis le football, donc j'ai suivi un petit peu son parcours comme tout le monde, autant à Séville qu'en sélection argentine ou que ce soit au Brésil. Alors tout le monde dit que c'est le disciple de Marcelo Bielsa. Qu'il a un peu la même physionomie de jeu que lui. Donc moi, pour le moment, sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, je ne l'ai pas trop vu. Après, j'ai envie de te dire, laissons-lui un peu le temps de travailler parce qu'il est arrivé dans un moment où, compliqué, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire entre le Covid... Entre les joueurs qui étaient en fin de contrat à l'OM, les soucis au niveau de la présidence du club et son arrivée, crois-moi, pour sa part, ça n'a pas dû être simple. Donc moi, j'aimerais te répondre à cette question, peut-être au mois de décembre, lui laisser faire son mercato et voir ce qu'il est capable de faire sur les six premiers mois. C'est vrai que tu as raison sur le fond. Dans tous les clubs où il est passé ou les sélections, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup. C'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Après. Alors, moi, je l'aimais pas, mais quand j'ai vu le comportement qu'il a eu la semaine dernière, il m'a gonflé un peu plus. Alors, je sais pas si t'as vu ce qui est sorti. Apparemment, il y a une incompréhension avec l'arbitre. Oui. Parce que quand Sampaoli il gueule, c'est sur Rongier qui crie. Et l'arbitre le prend pour lui. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, l'arbitre est rétrogradé en Ligue 2 pour l'année prochaine. Ah. Ah, et apparemment, quand il lui met le rouge, il dit « Mais pourquoi tu me mets le rouge? Je ne te parle pas à toi. » Et là, c'est là qu'il s'énerve encore plus. Qu'on a l'impression qu'il s'énervait après l'arbitre. Mais apparemment, c'est malentendu. C'est le but de Rongier. L'assiège, ouais, sur Rongier, apparemment, c'est ce qui se dit. Quoi. Oui. Apparemment, il y a des gens qui ont lu sur les lèvres de Sampaoli et qui ont dit que, voilà, que c'était un peu une erreur. Il y en a beaucoup qui disent sur les lèvres. Par contre, à un moment donné, voilà. Sur les paroles, il dit pourquoi tu me vires? Pourquoi tu me vires? Il dit à l'arbitre délégué pourquoi voilà, tu me vires? Et à la fin, il dit un mot qu'il ne fallait pas employer. Trouillard. Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une incompréhension au niveau de l'arbitre. Je pense que l'arbitre a pris pour lui alors qu'il est en train de recadrer Rongier. Et je pense que l'arbitre l'a pris pour lui. Yeah. Et c'est pour ça qu'il lui met le rouge. Et c'est pour ça que Sampaoli s'énerve. Il dit mais pourquoi tu me vires à moi? J'ai rien fait, quoi. Je te parle pas à toi. Je pense que c'est une incompréhension. La commission a mis le match, hein. Oui, un match, voilà, c'est pour ça. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte de l'erreur de l'arbitre. Parce que quand un entraîneur parle comme ça à un arbitre, en général, c'est pas qu'un match. Hein. Oui. Tu es comment, toi, sur le banc de touche, Laurent? Avec des U11. Là, avec des U11, j'étais très calme. Hein, Il n'y a pas le temps de s'énerver, là. J'étais très calme. Après, ben, je vous dirai ça hein, en cours de.
de saison prochaine. J'espère qu'on pourra jouer les matchs de championnat. Mais moi, je suis quelqu'un d'entier et je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur. Donc, je pense que je vais vivre les matchs avec intensité aussi. Et si, s'il y a une décision injuste qui sera sifflée, je pense que je ne vais pas m'asseoir pratiquement sur mon banc. Ça, c'est sûr. Non, j'ai dit ça parce que il n'y a pas d'arbitre en U11 ou très rarement. Mais c'est des fois, c'est les parents qui sont assez compliqués à gérer des fois. Oui, exactement. C'est un peu le. Bon, moi, cette année, j'avais un bon groupe. Ça va, il y avait un bon groupe de parents. Mais c'est vrai que les parents sont un petit peu difficiles à gérer parce qu'ils perdent de vue que leurs enfants de 11 ans sont là pour le moment pour s'amuser et pour prendre pour jouer, uniquement du simplement. Plaisir pour jouer. Ouais. Voilà, ce sont des enfants. Et ils le perdent très, 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 très souvent de vue. Ils pensent de suite que c'est le futur Messi ou Ronaldo, alors que. Ah, ben ça, alors là. Alors que même si l'enfant est très doué, le parcours est tellement long encore jusqu'à pour être pro qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est trop. Personne ne peut savoir si un enfant à 10 ans sera professionnel. C'est pas possible. Ah, ben non. Personne. Non. Personne. Moi, j'en avais, je me rappelle, un tournoi à Port-de-Bouc, et pourtant, j'avais des U9. Hein. Moi, je disais rien, je laissais les enfants jouer, je leur avais donné mes consignes. Les parents, ils étaient comme des fous derrière, mais des fous. Ouais. Et à un moment, le père, il me dit, mais tu devrais m'engueuler et tout. Je dis, oh, mais laisse-les faire les enfants. Laisse-les jouer, laisse-les s'amuser. Je vais les engueuler de quoi? Ils sont déjà bien assez excités comme ça. Laissez-les faire les enfants, il faut les laisser s'amuser. Si on commence à les pourrir dès 9 ans, ouais, c'est fini, là. Tu leur gâches déjà l'envie de. Ah, mais moi, ce père-là, il m'avait tué. Pourquoi tu ne les engueules pas? Laisse-les tranquilles. C'est des enfants, laisse-leur. Une question à Fabien qui a concerné malheureusement l'actualité de l'OM, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'as-tu pensé du départ de Florian Thauvin? Ben malheureusement, vu la gestion de la direction à l'époque, donc je parle pas de Pablo Longoria qui est rentré à la présidence il y a peu de temps, sous l'ordre de Jacques-Henri Hérault, ben ça a été très très mal négocié. On doit faire re-signer Florian Thauvin quand il est champion du monde. On doit le faire re-signer à ce moment-là. On doit lui faire un beau contrat. Parce qu'il le méritait tout simplement déjà à l'époque. Et puis, on aurait dû le verrouiller à ce moment-là. Mais quand on laisse un joueur de sa qualité arriver en fin de contrat, et qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive d'autre? Et c'était, pour moi, c'était inéluctable. Hein. Alors, on espérait tous qu'il re-signe, mais c'était inéluctable. Et voilà, il a reçu une très belle offre des Tigresses. Et voilà, c'est logique et moi je lui en veux pas qu'il s'en aille parce que alors ça peut surprendre qu'il aille là-bas au Mexique, mais après c'est son choix, il a le droit, il a beaucoup donné à l'Olympique de Marseille et il a pas eu le retour qu'il aurait mérité, voilà, de la part des anciens dirigeants, et ça c'est un cas qui a été très très mal géré, je trouve. Il était lassé, de toute façon ça fait 7 ans. On sait que le maillot, il est lourd quand tout va bien, mais alors quand ça va pas, tu l'as dit toi-même, la pression est horrible à gérer. Il en avait marre aussi. Depuis 2 ans, il s'en prend plein la tête. Donc, c'est vrai. Tu aurais été dans la situation de Flo Thauvin, hein, Fabien, tu aurais fait le même chemin. Je parle pas forcément des Tigresses, hein, mais je veux dire, on t'aurait pas, tu serais parti. Sincèrement, je pense parce que je pense que la bonne chose va dans les deux sens. C'est-à-dire que faut pas tout le temps que ce soit les joueurs qui fassent tout le temps des concessions ou tout le temps les bonnes choses. Faut que le club en retour fasse aussi les bonnes choses au bon moment. Et moi, si mes dirigeants ne m'envoient pas le bon signal au bon moment, c'est pas à la fin, quand rien ne va plus et que le club est à l'agonie, qu'il faut venir me voir et me dire bon, ben maintenant Fabien, on a besoin de toi. Non, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, le signal de la part des dirigeants, il n'a pas été bon. Le timing a été très mauvais. Et malheureusement, ben voilà, ça devait arriver. Et c'est dommage de laisser partir un joueur libre comme ça. Parce qu'il a été blessé quand même pendant un an. Ils ont rien fait pour l'aider à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils auraient peut-être dû aussi aller vers lui pour le faire re-signer. Aussi, ah, aussi. La situation avec Payet aussi, c'est...
C'est pour ça que je dis dans la tête aussi, le mec, il avait besoin de souffrir. Comment tu aurais réagi, toi, Fabien, si un mec, il te dit on doit partir et tout le reste, comme il a fait un peu Payet, et que derrière, il signe un contrat de 5 ans, il baisse un peu, mais il signe un contrat de 5 ans. Tu réagis comment, toi, si tu es dans la même situation que Thauvin? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'après, c'est là où je dis où Jacques Herrero a pas été bon. C'est sur la gestion, notamment de ses cas, parce que en faisant ça, il a monté un peu les joueurs les uns contre les autres. Il a monté, il s'est retourné le vestiaire à l'intérieur de son propre club, et on a vu les effets que ça a fait. Ça a commencé à sortir dans la presse. Payet, Thauvin, ils peuvent pas se voir. Ils se font plus de passes sur le terrain. Ils se calculent plus, ainsi de suite. Et au final, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul, quoi. Alors qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc, c'est. Au début de ton live, tu disais, tu es un homme de devoir, mais un mec qui te fait ça dans le vestiaire. Ne me dis pas qu'il en prend pas une quand même. Ah oui, oui, non, non. Moi, c'est sûr que j'aurais eu une discussion avec lui. Ça, c'est certain. C'est sûr. Après, malheureusement, aujourd'hui, bon, je veux pas citer de nom, mais aujourd'hui, le maillot que les joueurs portent ne signifie plus grand chose, malheureusement. C'est-à-dire que moi, ça me fait rire quand je vois des joueurs qui embrassent un maillot alors que ça fait 2 matchs qu'ils sont là. Je trouve ça ridicule parce que des joueurs qui aiment vraiment leur club, qui sont prêts à vraiment faire des sacrifices pour leur club, il y en a plus beaucoup. Voilà, c'est rare. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Je trouve que la passion, elle s'est perdue. Vraiment, l'amour du maillot, ce que représente un club, ça s'est perdu. Et je trouve ça dommage parce que, voilà, c'était l'essence même du foot, quoi. Après, moi, je pense que le problème qu'il y a eu avec Jacques Herrero, moi, je l'avais dit à l'époque, tout le monde a rigolé quand je l'ai dit. Moi, je pense qu'il aurait dû se rapprocher, malheureusement, du regretté Pape Diouf et du boss pour leur demander des conseils, comment gérer le club, comment on se faisait aimer de la ville de Marseille et des Marseillais. Pour moi, l'erreur, elle est là. Ben après, c'est le problème de laisser les clés du club à quelqu'un qui n'est pas issu du football. Alors, M. Jacques-Henri Hérault est quelqu'un d'extrêmement brillant, j'en suis sûr, dans plein d'autres domaines, mais pas dans la gestion, pas dans la gestion d'un club de football, et surtout pas de l'OM, parce que ici c'est encore autre chose, c'est encore plus particulier. Il faut avoir une poigne, il faut avoir une gueule, il faut avoir un aura, et que ce soit Bernard Tapie ou Pape, ben, il avait ce genre de choses, il savait comment parler, il savait monter au créneau s'il y avait une erreur d'arbitrage, s'il y avait quelque chose qui allait pas, de suite on l'entendait. Jacques-Henri Hérault, on n'a jamais entendu parler, c'était quelqu'un de trop lisse pour être président de l'OM. Christophe doit s'en rappeler qu'avec les Winners, on était parti à Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, qu'on s'est fait allumer comme il faut devant le parkage, le guet-apens, on va dire plutôt ça. Ouais. Il était tranquille à Marseille, hein, sur son canapé. Il était même pas au stade, hein. Il appelait juste les joueurs pour dire non, ne jouez pas le match. Mais en fait, les supporters, il n'en avait rien à foutre. Hein, parce qu'il n'a même pas défendu l'intérêt de ses supporters. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça aberrant. Justement, tu fais bien de parler des supporters. Quelle entente tu avais, toi, à l'époque de l'OM avec les supporters, avec les groupes et tout le reste? Bah, moi, super. Moi, ben, moi, moi j'allais aux Ultras quand j'étais petit, quand j'étais minot. Donc, j'ai toujours été au virage. Et donc, pour moi, les supporters, je sais ce que c'est parce que j'en étais un. Je faisais même les déplacements. J'étais allé voir l'OM jouer à Monaco en Coupe de France. Et donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que représente l'Olympique de Marseille pour tous les supporters. Donc, ça, je l'ai jamais oublié. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui me suis donné toujours à 100% sur un terrain. Que je sois mauvais ou pas, je me donnais à fond. Voilà, ça arrive à tout le monde de passer à côté sur un match. Mais moi, je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, tu lâches jamais, tu continues de courir, tu te donnes à fond. Parce que je sais que quand j'étais dans les tribunes, j'aimais voir les mecs ben, se défoncer tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc moi, j'ai toujours été comme ça. Et moi, mon entente avec les supporters, ben,
elle a été brève parce que j'ai pas eu la chance de faire, j'ai fait que 2 ans et demi avec les pros, j'ai pas eu beaucoup de matchs, donc voilà, j'étais pas entre guillemets une des vedettes de l'équipe, mais chaque fois que j'allais en ville ou que j'allais sur le Vieux-Port ou que j'allais n'importe où, ben, que les supporters venaient me voir, ben, c'était avec grand plaisir que je discutais avec eux et que voilà. Et alors d'aujourd'hui encore, il y en a qui me reconnaissent un petit peu dans la rue, les vrais supporters, ben, c'est avec plaisir que j'échange avec eux et puis voilà, ça fait partie de la vie d'un joueur pro de vivre avec ses supporters. Voilà, ça fait partie du métier de joueur de foot. Donc moi, ceux qui n'acceptent pas ce côté-là, je comprends pas, parce que si tu supportes pas ça, ben il faut pas faire joueur de foot. Voilà, tout simplement. Tu fais boulanger, charcutier ou ce que tu veux, comme ça au moins tu seras tranquille. Une question, on va dire, un peu plus poussée. Les joueurs de l'Olympique de Marseille, en fait, à ton époque, je sais pas, mais vous n'habitez pas dans la ville de Marseille, vous êtes bien excentré de la ville de Marseille, pour éviter justement de... Alors moi, je vais te dire un truc, j'étais encore chez mes parents, à Marseille. Et j'habitais à Marseille, j'habitais à Bonneveine, moi, à Marseille Vert. Mes parents, ils étaient à Marseille Vert à l'époque. Et moi, j'étais à Marseille. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, oui, il y en a qui sont encore sur Marseille. Il y en a encore qui sont sur Marseille. Il y en a qui sont au Parc Talabo, à la Corniche. Il y avait. Alors, juste question personnelle. Attends, s'il te plaît, Jean-Pierre. À Cassis-Carnoux aussi, il y en a beaucoup qui habitent, je crois. Oui, à Cassis, après sur Aix aussi. Mais ces derniers temps, sur Marseille, il y en avait de plus en plus qui étaient sur Marseille. Il y en avait de plus en plus. Moi, j'ai une question personnelle, un peu, puisque vous dites que vous êtes issu du quartier de Bonneveine. Sans déconner, puisque vous connaissez bien le quartier, et Dieu sait que moi, je le connais bien, est-ce que vous ne trouvez pas ça super moche, cette espèce de pouce qu'ils nous ont mis au rond-point, là? Mais la nuit, j'y allais avec mon ami d'enfance. On y allait la nuit et un jour il m'a amené, il m'amène et de loin je me suis dit mais c'est pas possible, on dirait une bite, pardon. Et oui. La nuit avec l'éclairage, on dirait vraiment un sexe. Il y a des retardataires qui arrivent sur live. Et on l'appelait pas le pouce, nous on l'appelait le sexe. Parce que franchement, c'est sûr. J'ai une question de Benjamin Granelli qui arrive à la bourre, comme d'habitude. Hein. Il te demande, Fabien, avec quel joueur tu as joué à l'époque? Eh ben ouais, il fallait être là au début. Hein. Le replay. J'ai joué avec Abi Bey aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais Abi Bey, Seb Perez, Vedran Rougneux, Manu Dos Santos, Brahim Mdani, Dimitri Sitchev, le petit Sitchev qu'il y avait devant, Mido, Drogba. Il avait sa chanson, petit Sitchev. Ouais, exactement. Donc, Eduardo Tudio, Franck Leboeuf, Daniel Van Buiten, enfin, voilà, j'en oublie beaucoup aussi, mais il y avait une belle équipe. Il y avait son collègue, non, à Tudio? Pardon. Il y avait un mec, moi, qui m'avait marqué, allez, à ton époque, et qui vraiment aurait mérité une meilleure carrière, c'est Brahim Mdani. Brahim Mdani, ouais. Très très bon joueur, Brahim Mdani. Très très fort joueur techniquement. Super très, très milieu bon. De terrain. Il courait de partout. Et il avait, moi je l'appelais l'homme aux trois poumons parce qu'aux entraînements, aux tests de physique, il cassait tout chaque fois. Il était impressionnant. Et Brahim, c'était un super joueur, ouais, c'est clair. Ah ben, t'as une autre question puisque tu parles d'entraînement. Quel a été ton meilleur entraîneur au long de ta carrière? Tout le long de ta carrière, quel est l'entraîneur en fait qui t'a marqué le plus? Que ce soit à l'OM ou ailleurs. Hein. Ne voyez pas encore du chauvinisme, mais ça va être un Marseillais. Moi, je me suis éclaté avec Roland Courbis. Ah, Je pensais que tu allais dire Anigo. Je pensais que tu allais dire José Anigo. Je m'y attendais. Bah, José aussi, hein, mais après José, je l'ai eu dans un contexte différent. Donc, j'étais pas encore en pro. Mais je me suis éclaté avec José aussi, hein, parce qu'on a été champion de France et José, ça a été un super entraîneur aussi. Mais avec Roland, il y a eu. Tu te rappelles de Roland, tu te rappelles de Jacques Bail, de son adjoint. De qui? Jacques Bail, qui était l'adjoint de Courbis. Non, il n'était pas là en Corse. Ah, il n'était pas Ajaccio, là en Corse. Non, Ajaccio, non. Non, mais il n'était pas venu, je crois, Jacques Tourin, il me semble que non.
Ajaccio, non, non, Ajaccio, il était Roland était venu seul et c'était José Pasqualetti à l'époque Ah qui était l'adjoint de Roland. Et mais Roland, c'est un entraîneur qui connaît, Ah, qui sent il le croit pas, football il connaît tout comme sur le une bout des personne. doigts, lui. Hein. Ah, c'est Tu crois pas incroyable. que la place de la tête de pioche argentine, là, on aurait pu prendre un Courbis cette année? Ah oui, après Roland aurait été OK, je sais pas, ça il faudra lui poser la question, mais oui, pourquoi pas, ça aurait été peut-être une solution aussi intéressante. Mais Il avait dit que oui, hein, dans l'afterfoot, il avait il dit s'est que intéressé, mais il n'avait pas envie, ouais, sauf si c'est l'OM le rappelait. ouais, parce que Roland, Héros qui a fermé la porte. il a un goût d'inachevé à l'OM parce que la saison 99, 2000, ah ben lui, 99, elle lui je reste, pense elle qu'elle lui reste reste là tout le monde, hein. ouais, Tout à l'heure, tu disais, tu as eu le boss comme président. ouais, D'accord? Mais tu as eu Gervais Martel aussi, à aussi, Lens. Ah ouais, oui. j'ai eu la Eh chance oui. de, et je vais citer aussi le président Moretti d'Ajaccio qui est décédé malheureusement quelques années, et Michel Moretti, et j'ai eu la chance d'avoir vraiment trois vrais présidents de clubs de football. Voilà, des gens qui mettaient leur fric, quoi, comme on dit, mais qui aimaient leur club plus que tout et qui défendaient leur club bec et ongles, et vraiment des passionnés, des amoureux de leur club. Et voilà, c'était vraiment, j'ai eu vraiment la chance d'avoir vraiment ces trois présidents de foot à l'ancienne, quoi, des Je suis présidents à pas là l'ancienne. pour. Maintenant, Oui, on te parachute n'importe quel saucisson, président. je suis Tu pas là pour dans la faire. lignée de Nicolin. Voilà, moi je te parle Exactement, des gens qui mettent leur argent dans le Claude football Besse. Claude tout à Besse à et pas Bordeaux. des actionnaires, Exact. des ci, de là. Tout à fait, Et tout à fait. c'est vrai que voilà, des vrais passionnés comme président que tu as eu, comme tu dis. C'est des gens qui mettent de leur argent, ce n'est pas des actionnaires qui viennent, qui Exactement. jettent un peu de l'argent et n'importe De où. toute manière, Et... en France, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un qui roule, ça. Tout à Voilà, fait, pour lui faire de ouais. la pub, hein. Mais c'est C'est le sûr. seul président qui défend Ah. tous ses intérêts pour ses joueurs. Vous l'avez vu se mouiller l'autre là, quand Alvaro s'est embrouillé avec Neymar? Il n'a pas bougé d'une oreille. Et ouais, non, non, c'est vrai. Les vrais présidents de club, il y en a plus beaucoup, malheureusement. Non. Non, c'est vrai que ça se. Justement, par Gervais Martel, parce que je connais, il y a des gens qui nous suivent, qui sont supporters de Lens. Moi, je te le dis parce que je vois des noms passer. Une anecdote sur lui. Parce que je sais Une qu'à la anecdote? Gaillette, il y a beaucoup d'anecdotes sur lui. Ouais, ben. Comme Bernard Tapie à l'OM, donc tu vas nous m'en donner deux. C'est quand même Gervais Martel et le boss, quoi. Ouais, ben, Gervais, des anecdotes, moi, si tu veux, c'est que Gervais, c'était un amour de président, c'est-à-dire tout le temps à déconner avec ses joueurs et tout. Mais par contre, quand ça allait pas, qu'il descendait à la mi-temps dans le vestiaire, crois-moi, tu entendais voler les mouches dans le vestiaire parce que quand il poussait une gueulante, c'était impressionnant. Voilà, c'était incroyable. Et il avait ce truc de remobiliser tout le monde, mais en 2 minutes, quoi. En 2 minutes, c'était plié. Voilà, il parlait 2 minutes et c'était plié. Mais voilà, quand il rentrait dans le vestiaire, crois-moi, tous les joueurs, c'était silence total. Et sur le boss, ben, j'ai une image qui me revient. C'est que la première fois où je suis avec l'équipe à Monaco, et je joue mon premier match en pro. C'est mon tout premier match avec l'Olympique de Marseille en pro. Et là, je suis dans la salle de restauration et j'entends sa voix au loin. Et là, j'ai eu les frissons, en fait, d'entendre sa Ah voix ouais. comme ça Ah. en vrai, de me dire ben, mon président arrive et c'est Bernard Tapie. Je vous jure que j'étais à table et j'ai eu les frissons qui me sont venus. Et quand il est rentré dans la pièce, ben, j'étais. En fait, c'est pas comme si c'était mon président qui rentrait, j'étais comme un gamin qui Une voyait idole. une méga. Ouais, une Une idole idole. arriver, quoi. Ah ouais, vraiment. Et Tu crois pas, ça a Fabien, été. qu'il aurait pas été malade comme il est malade là? Il aurait pu reprendre les rênes de l'OM?
Ah ben oui, carrément, carrément. Ben moi, ça aurait été mon rêve de le revoir revenir. Moi, j'aurais préféré revoir quelqu'un. Et le boss, oui, mais malheureusement, il est malade. Mais le mec, j'aurais bien aimé revoir, c'est Pape Diouf. Ouais, aussi, ouais, bien sûr, Pape aussi, bien sûr. Ben, ça ont été deux personnes qui ont été deux grands présidents, qui ont fait gagner l'OM, et puis voilà, qui ont laissé leurs traces dans le club. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'aurait plu de revoir Pape ou le boss, parce que c'est des personnes qui auraient mérité de faire une carrière de 15-20 ans à la tête du club, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été... Moi, j'avais adoré une anecdote sur le boss, que tu dois connaître, Fabien. C'est quand il est allé chipper, on va dire voler, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Quand il avait raconté une connerie... à Claude Vest pour lui piquer Tigana à Bordeaux. Oui. Et c'était fantastique le bateau qu'il avait amené le boss et il avait réussi à faire piquer Tigana. Il l'a fait pour Abedji Pelé et pour Jean-Pierre Papin aussi. Oui, hein. Oui. Il a fait la même. Hein. Non, mais de toute façon, c'est Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui apprenait très très vite les choses. Quand on se fait voler à Benfica en Coupe d'Europe, le soir même du match, il dit. Maintenant, je sais comment ça se passe et croyez-moi, ça n'arrivera plus. Et ça a été fait, quoi. Ça a été fait. Oui, bah oui. Donc, c'est quelqu'un qui savait de suite qui s'adaptait très, très vite aux choses. La main de bâton. Et qui comprenait très, très vite les choses. Donc, un très grand président. Et voilà, et ce soir, j'aimerais lui faire un coucou. Alors, je sais qu'il ne nous regarde pas, mais on pense très fort à lui et voilà. Et on le soutient dans ces moments qui sont compliqués pour lui, en plus avec ce qui lui est arrivé. Donc voilà, on pense très fort à lui, on l'embrasse très fort et on lui souhaite tout le courage du monde. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, impeccable, je vais en parler quelques mots. Moi, je suis souvent tous les soirs sur les lives de son fils, de Stéphane. D'accord. Bon, des fois, sur des lives, il y a de la méchanceté envers le boss. Oui, malheureusement, il y a des cons, il y en a partout. Hein. Et oui. Mais Stéphane Tapie, il est humble. En fait, quand quelqu'un insulte son père, il démarre pas. Il vire le mec et après il parle quand le mec est parti. Mais moi, je trouvais idiot de s'attaquer à un mec comme ça. Et Stéphane Tapie avait été scandalisé. J'espère que Basile Boli regarde pas mes lives. Hein, parce qu'il n'a eu aucun message le jour que le boss s'est fait agresser avec Dominique. D'accord. Paris, donc. Il n'a jamais eu de message de Basile Boli. Pour lui dire... bon rétablissement à ton père. Peut-être qu'il n'avait pas le droit de parler, si on n'en sait rien. Il a été choqué des joueurs et du silence, notamment de la direction de l'Olympique de Marseille, qui n'a rien fait. D'ailleurs, il explique voilà. Sur son live. Pas un message d'héros, pas un message de. Enfin, l'Américain, il pompe rien. Donc. Mais aucun message. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de message de Dimitri Payet. Il avait dit. Les seuls messages qu'il a reçus, je vais me faire des ennemis ce soir. Le premier message qu'il a reçu le soir même, c'était Emmanuel Macron qui vient d'Mbappé. Ouais. Après, il y a des mecs comme Habib Bey qui ont envoyé des messages, certaines anciennes gloires de l'OM qui l'ont fait. Mais tu sais qu'il était scandalisé, Stéphane Tapie, il le disait d'ailleurs. C'est d'avoir aucun message d'un mec comme Basile Boli qui a été, je vais pas dire sauvé de l'eau par son père, mais pas loin. Parce que rappelez-vous, la finale de 93, on y reviendra mercredi puisque c'est l'anniversaire. 28 ans, mais n'oubliez pas une chose, c'est que Basile Boli, il veut sortir, c'est Bernard Tapie qui lui dit, le boss, non, tu restes sur le terrain jusqu'à la fin. Ben, s'il le sort, mais on ne gagne pas la Ligue des Champions. Mmh. Donc moi, c'est je sûr. Pense que ça aurait été la moindre des choses, au moins, de faire un message au fils au boss. De toute façon, il n'a jamais pris position, malheureusement. Beaucoup regrettent son trop silencieux silence, on va dire, voilà. On aurait aimé qu'ils prennent position pour certaines choses, notamment concernant les supporters. La seule fois qu'il a pris la position, il a dit « je ne ferai pas les magouilles comme il y a eu avant hein. ». Il y a Benjamin Granelli qui m'a marqué un commentaire et qui me fait rire. Excusez-moi, parce qu'on parle de président. Pour moi, celui qui m'a cité, c'est même un président. Lui. Est-ce que Jean-Claude Dassi n'aurait pas pu revenir ? Merci, ça va aller. Et toujours au top, la Bible du foot. Non, 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 mais ouais, enfin, c'est...
Après, ah, il y a comment... pas de promesse. Eh ben, Flo, si tu veux monter, je t'envoie le live si tu veux parler à Fabien Laurenti. Comment c'est difficile après de juger, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Moi, ce que j'ai trouvé inadmissible pour la voilà, première fois. C'est vrai que. Moi, ce qui m'avait choqué, pour les 120 ans du club, ils n'ont même pas invité. Et là, ça, ouais. Moi, ça passe pas. Ça passe pas. Ouais. Oui, il y en a eu d'autres, hein, malheureusement. Les supporters ont demandé le retour pour un match du boss, d'ailleurs. Mais Stéphane Tapie a dit la direction, ils peuvent dire oui. Et moi, tant que les supporters sont pas dans le stade, mon père ne viendra pas dans le stade. Et ça, franchement, chapeau bas. Moi, j'ai une question à Fabien. Oui. Ah non, je crois que tu allais me faire une interview, j'ai eu peur. Non, pas du tout. Ouais, ça va. On parle du contexte corse. Oui. Dans le football, parce que tu as joué à Ajaccio. Tu as eu un derby contre Bastia aussi. Oui. Raconte-nous un peu l'atmosphère qu'il y a entre rivalité dans ce peuple corse. Ah, dans les derby corse. C'est très très chaud. Franchement, c'est très très chaud. Alors, à savoir que la CA Ajaccio, au niveau supporter, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant en Corse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le club numéro 1 Ajaccio, c'est le Gazélec. Ajaccio. Et après, le club phare de Lille, c'est Bastia. Donc, voilà. Donc, quand Bastia venait jouer à Ajaccio, le stade était aux trois quarts bleu et blanc. Hein. Donc, c'était compliqué. Et quand on allait jouer là-bas, c'était vraiment chaud, quoi. C'était derby, autant dans les vestiaires que dans les couloirs que sur le terrain. Voilà, croyez-moi, c'était bouillant, quoi. Voilà, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. D'ailleurs, il remonte, j'ai vu Bastia. Bastia remonte en Ligue 2, ouais. En Ligue 2, ouais. J'ai vu l'accueil. La remise de la coupe. À l'aéroport. Ouais. Non, Yannick, si tu as l'occasion de regarder, parce que moi je les ai vus en direct, ils avaient mis un live, quand ils ont remis les médailles au stade. Je ne sais pas si c'est franchement. Je peux te dire que quand tu vois un club descendre aussi bas que ceux qu'ils ont fait à Ajaccio, de Bastia, et remonter aussi vite et avoir une structure comme ils ont eu, c'est franchement. Il y a beaucoup de clubs qui devraient prendre exemple aussi là-dessus. Alors je parle. Il y a que Strasbourg qui a réussi à remonter. Hein. J'ai pas entendu. Il n'y a que Strasbourg qui est tombé aussi bas et qui a réussi à remonter aussi. C'est les seuls, Bastia et Strasbourg. Tous les autres, il y a des questions qu'on n'a pas posées à Fabien, et là, on est pas aussi bon, on est aussi bon les uns que les autres. Quel est ton meilleur souvenir avec l'OM au cours de ta carrière? Alors moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est le déplacement en Ligue des Champions à Madrid contre les Galactiques. Donc Zidane, Beckham, Figo, Raúl, Ronaldo, j'en passe, c'est les meilleurs. On en prend 4 dans la musette, je crois. On perd 4 à 2. Et c'est Drogba qui marque en premier en plus. Hein, on mène 1-0. On ouvre le score, c'est Didier qui marque, c'est ça. Et alors moi, je suis amoureux de l'OM, mais je suis un fervent supporter aussi du Real. Donc d'aller là-bas et de jouer là-bas, ça a été mémorable pour moi. Je me souviens, il y avait Roberto Carlos. Qu'est-ce qu'il fait pas sur ce match? Roberto Carlos, ils avaient une équipe, c'était incroyable. Incroyable. Mais ça reste un superbe souvenir pour moi. Ouais. Et le pire? Le pire, c'est la. Donc, tu parles en général ou avec l'OM? Non, avec l'OM. Et après, en général, avec l'OM. Le pire, moi, avec l'OM, c'est la défaite contre Paris lors du Classico ici à Marseille, quand il y a Ronaldinho qui nous fait le festival à lui tout seul. Ouais. Donc, c'est un sale souvenir, ouais. C'est en tant que Marseillais. Et deux semaines après, il est au stade à Martigues. Puisqu'on parle de Classico, je vais t'en parler, Fabien, vite fait. Est-ce que toi, Fabien Laurenti, à l'époque, devant les caméras de Canal+, tu aurais échangé le maillot avec un joueur du Paris Saint-Germain? Non. Merci. Non, non, non.
Ça me Alors, rassure. Après, je ne te dis pas que si dans l'équipe du PSG à l'époque, il y aurait eu un bon collègue à moi avec qui j'aurais joué ou que je connaissais, je n'aurais pas échangé dans les vestiaires en privé après, ça oui. Mais devant les caméras, par respect pour les supporters, non. Non. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait et que j'ai jamais fait d'ailleurs. Parce que... On revient encore au sujet Tovin pour ce fameux échange de maillot qui a servi sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, à ton époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas non, trop mais de façon, si, si. Puis de toute façon, à l'époque, si tu remontes encore plus loin, ça n'existait pas. Les bises avant les matchs, ça n'existait pas. Et voilà, c'était comme ça. Bon, maintenant, les mentalités changent, évoluent. Et puis, voilà, il faut s'y faire. Mais non, non, moi, à l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Est-ce que tu as encadré ton premier match de Ligue avec l'OM? Alors, je ne l'ai pas encadré, je l'ai donné à mon papa, qui l'a gardé encore, qui l'a encore chez lui. Voilà, c'est mon père qui a mon tout premier maillot. Et voilà, le seul maillot que j'ai encadré, c'est le maillot de Zidane du Real qui m'avait offert. Ah ben voilà, on sait qui c'est qui l'a récupéré, c'est toi. C'est moi qui l'ai récupéré, oui. Voilà, c'est moi qui l'ai. Et le 5 de Zidane. Oui, je l'ai. Alors attendez, deux secondes, il faut que je le sorte parce qu'il est. Je ne l'ai pas au mur. Mais je vais le. Attendez, deux secondes. Ouais, vas-y, Fabien. Vas-y. Alors ça, c'est beau aussi. Hein, je me suis permis, je l'explique aux membres qui sont là. Mercredi, soirée du 26 mai, Jean-Pierre, n'est-ce pas? Avec un invité de plus, puisque Fabien Laurenti nous accompagnera avec Jean-Jacques Aydeli et Thomas Vidot pour ce live pour le 28e anniversaire de la Ligue des Champions. Et voilà. Ah ouais. Ah ben ouais, ben voilà. Eh ben ouais. Il est là. Donc, voilà, c'est de l'exclu, les amis du chat. Hein. C'est de l'exclu. Oh là là. Je ne sais pas si vous avez bien à voir. Ah, si, on voit. Ah, t'inquiète, on voit très bien. Alors, Ligue des Champions, et puis... La fameuse Ligue des Champions 2004. Ça et à l'époque, ils en avaient gagné 9, déjà. Ouais. De Ligue des Champions. Ouais. Voilà. Ouais, mais maintenant, ils en ont 13. J'ai bien le mot déjà. Ouais. Oui, déjà. En fait, ce qui me plaît chez Fabien Laurenti, déjà, c'est ça. Il est humble comme mec, il est super gentil, et je tenais à le dire devant tout le monde et devant les personnes dans le chat. En fait, ce que tu m'as fait ce soir, on a eu la chance de l'avoir fait l'an dernier parce que Jean-Jacques Aydeli, malgré qu'il y a eu des trucs sur lui, mais bon, on n'a pas remis le couteau à la plaie non plus, mais il nous a fait montrer son maillot. Avec qui il a joué la finale en 93. Et le maillot qu'il avait échangé, c'était le maillot de Lencini. Il a montré à tout le monde en direct. Tous les gens D'accord. qui étaient contents de voir les maillots là. Donc c'est pour ça que mercredi, donc 26 mai, donc ce mercredi, je t'invite pour le 28e anniversaire de Ligue des Champions avec Jean-Jacques Aydeli, Thomas Vidot. Et après, on attend d'autres réponses. Donc je vais voir. Moi, j'ai une question parce que personne. Par contre, Fabien, c'est bon, j'ai ton numéro. Il me l'a envoyé, Cédric. Allez, super. Mais il m'a envoyé ton numéro avant. Hein. Ça va, j'ai une question. Puisque vous avez fait l'épopée de Ligue des Champions, est-ce que vous avez bien été au bout? On a été en finale ou vous êtes parti avant? Vous êtes parti au mois de janvier? Je signe en janvier, moi, Ajaccio. Ouais. Je pars en janvier. Merde. Ah ouais, vous n'avez pas fait l'épopée jusqu'à la finale. Non. Au moment où je signe à Ajaccio, et je crois que c'est une semaine ou 10 jours après, il y a José qui est nommé entraîneur de l'équipe première. Ah, donc, c'est un regret. C'est un regret, oui, parce que José, je l'avais eu en réserve et il me connaissait bien. Et je pense que j'aurais eu peut-être un peu plus ma chance avec José. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et des fois, on a un peu de chance et des fois, il manque un petit peu de timing, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça m'a permis quand même de faire une belle petite carrière, d'aller à Ajaccio, de jouer, de m'aguerrir. Et puis voilà, donc c'est sans regret non plus, quoi. T'es un super mec, José. Moi, j'ai échangé avec lui il n'y a pas longtemps, là. Mais il est vraiment humble. Après, t'as des footballeurs, honnêtement, je vais pas dire des noms, hein. Mais certains qui se la pètent, excusez-moi du mot. Eh ouais,
Mais moi, je vois que sur le live, j'ai eu la chance de recevoir des anciens pros comme Kamel Meriem, comme toi, qui est passé par l'OM. On a eu Frank Loskitz, l'ancien gardien de l'AS Monaco, que tu as dû connaître, je pense. Pardon, j'ai pas entendu. Un certain Frank Loskitz. Ah non, peut-être pas. Ah non. Non. Ouais, quoique, peut-être Jean-Pierre. Ah, oh, plus jeune. Ah, il est plus jeune, Franck, peut-être, ouais. Oui, il serait plus jeune. Mais Franck, après, il a 30 ans. Donc. Ouais. Après, on a eu. Qui c'est qu'on a eu? On a eu Steve Elana aussi. Ah oui, Steve, ouais. Super mec. D'ailleurs, je vous ai raconté des anecdotes sur Team Free Payet qu'à Lille, il commandait pas le vestiaire. Hein, comme à Marseille. Eh oui, oui. Eh oui. Eh mais... il avait 20 ans. C'est pas le même âge. C'est pas le même âge. Non. Après, les gars, moi, je vais excusez... Oui, vas-y. Oui, excusez-moi, je vais être obligé de vous le laisser si ça vous, pas de vous dérange problème, pas. Mais n'importe pas quoi. Du tout. C'est un plaisir super. De t'avoir avec nous. Je vous remercie en tout cas, j'ai passé. Ouais, c'est gentil. Lien pour mercredi soir. D'accord, ça va. J'ai passé un bon moment avec vous. Bon et voilà, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et puis on se voit le 26, avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée les gars. Salut, merci. Ciao, bonne bye. Soirée. Ciao. Bonne soirée, bye. Donc, vu qu'on a pratiquement fini le live, hein, attendez. Non, c'est bon. J'ai eu peur qu'il me plante le live, Fabien. Donc, s'il y en a du chat qui veulent venir faire, allez, va, on va vous faire plaisir ce soir. Avec Jean-Pierre, on a décidé d'être gentil ce soir. S'il y en a qui veulent monter dans le chat pour venir faire un mini débat avec nous, je vais vous balancer le lien, vous l'avez, vous débrouillez, vous montez, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est le cadeau de moi et Jean-Pierre, et on finira avec un petit quiz parce que Jean-Pierre, il attend que ça. Ah, moi, j'ai rien fait, je suis innocent. En tout cas, super live en compagnie d'Antonio Talek, champion d'Europe, quand même, Liverpool. C'est pas rien, les invités qu'on avait ce soir. Ah, ben, la finale de 2005, je peux te dire que. Cédric Bonon, champion du monde et double champion d'Europe de football. Et Fabien Laurenti, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille. C'était vraiment agréable. Vous pouvez retrouver Fabien Laurenti pour le spécial 26 mai, pour le 28e anniversaire de la Ligue des Champions. Et demain pour Cédric, pour le voir toute la journée jouer pour alors sa juste, championne. Oui. Et moi, vous me retrouverez le 29 pour le 50e anniversaire complètement bourré. On va en parler vite fait parce que là, on est obligé. Je suis désolé, mais quand j'ai un partenariat, je suis obligé d'en parler. C'est logique. Donc, OM Talk Live vous propose, je vais pas dire vous propose, on est en partenariat avec le site maillot BBR Foot. Juste pour information, parce que je vais reprendre ce que j'ai vu un peu sur le groupe toute la semaine, qui m'a fait rire, en fait. Il y a des gens qui me disent, en fait, oui, les maillots... ils sont fabriqués en Chine. Mais les gars, tous les maillots que vous avez en France, n'importe quel maillot, vous trouvez l'étiquette. Hein. Il y a marqué Made in Taiwan, Made in China, Made in Singapour. Enfin, voilà. Donc avec OM Talk Live et toute mon équipe, on vous propose d'avoir un code promo qui sera OM Talk Live, 15% de réduction sur tous les produits. Je dis bien sur tous les produits, que ce soit les polos, les survêtements, les maillots de gardien. Ne cherchez pas, il y a rupture de stock. Notamment sur le nouveau maillot de l'année prochaine de Steve Mandanda et des autres gardiens de but. Donc, pour le site, n'oubliez pas dans le code promo à insérer dans code de remboursement. Et bien sûr, voilà, vous avez le site pour aller le visiter, www.bbrfoot.com, qui est notre partenariat. On a un autre partenariat, également en Chine encore, avec des montres connectées, pardon, X-Watch Pro, avec le code promo OM Talk Live, la montre a fait 140 €. Avec le code OM Talk Live, vous avez la promo et vous la touchez à 62,91. Voilà, je pense que j'étais précis. Donc, on a un troisième partenaire. Juste pour parler de BBR Foot, parce qu'on est là pour en parler quand même. Donc BBR Foot, c'est un site de maillots, club. Il y a les maillots pour l'Euro qui sont déjà là. Il y a toute l'équipe de France, tous les maillots de club. Bien entendu, moi je vous parle que des maillots de l'OM parce que c'est un groupe de l'OM. Parce que sinon, il y a le maillot du PSIG aussi. Après, si vous avez des amis qui veulent commander d'autres maillots de club ou des survêtements de club ou autre,
Il y a même les doudounes qui sont intéressantes, mais bon, c'est pas trop l'hiver. Donc, on va attendre quand même. Mais, ça dépend où c'est que tu es dans. Je vous présenterai les produits dès que je les reçois, parce que moi j'ai fait une commande, hein, Jean-Pierre va vous le dire. J'ai commandé le dernier maillot donc, de l'Olympique de Marseille, le collector 93, le collector Africa Côte d'Ivoire, un maillot noir aussi, et deux survêtements. Voilà. Donc dès que j'aurai reçu mes colis, je vous les montrerai à l'écran. Ben, vous rendez compte que c'est vraiment de la haute qualité et que c'est pas de la contrefaçon comme malheureusement au lavage tout part, mais non, là ça tient vraiment. J'ai un pote dédicace à Steve, supporter of Marseille, qui travaille un peu avec le même site mais avec la même qualité de produit, et même lui m'a dit que la qualité était vraiment top. Lui il a fait 8 lavages à la machine, ça n'a pas bougé, donc voilà. Mais après moi c'est des maillots que je conseille à laver la même, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous remets live partenariat avec le site BBR Foot. Voilà. Pour les commandes, sur les suivantes, ça va arriver. Commandez sur le site avec le code promo OM Talk Live, 15% de réduction sur tous les produits. Je dis bien sur tous les produits, les amis. Et le site, pour finir, Jean-Pierre, www.bbrfoot.com. Voilà. Donc, faites-vous plaisir, faites des cadeaux anniversaires, faites ce que vous voulez. Haute qualité. Et sachez que OM Talk Live est fier d'avoir un partenariat avec BBR Foot qui est basé à Hong Kong. Voilà, je l'ai dit. Donc voilà. Bon, mais s'il n'y a pas grand monde, ben, tant pis. Hein. Faut pas oublier notre partenaire Nat du Sud avec très envie de savon aussi. Je n'arrive pas à accéder au site. Alors attends, je te le mets là, je vais te l'épingler. www. Il y en a un qui a une question pour Christophe. Hein. Je ne sais pas qui c'est, si c'est Benjamin ou quoi. Bien, s'il te plaît, hein. Merci. .com. Voilà. Je ne sais pas qui c'est la personne qui m'a demandé le site. Et là, tu l'as. Et pour info, tu l'as sur une publication qu'on a fait avec le fameux maillot 2021-2022 de l'OM. Le site est au-dessus, tu cliques et tu as accès. Ne pas confondre avec l'ancien site qu'on avait mis, MyYogo, parce que maintenant on est avec BBR Foot. Donc si vous tapez MyYogo, la promo ne marche plus. Il faut aller sur BBR Foot. D'ailleurs, Christophe, je te l'enverrai tout à l'heure si tu veux, il n'y a pas de souci. Je l'ai mis déjà sur le groupe Maritima Supra. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer. BBR Foot. BBR Foot. Ah bah oui, bah. Toi, tu on retient comme on peut. Tu manques de respect à mon partenariat, je te fais sauter du live en 2 secondes. Oh bah oui, je change pas de nom, c'est pas grave. Je me couche. Tu disais, Jean-Pierre, tout à l'heure, il y avait une question. Oui, pour toi. Qu'est-ce que tu pensais de Grégory Poirier, nouvel entraîneur du FC Martigues? Moi, j'ai toujours dit, et depuis que je suis à Martigues, donc ça fait 20 ans, et comme ça soit dans n'importe quel club, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les présidents passent. Moi, ça fait 20 ans que je suis au club. Bien dit. C'est la phrase des winners, ça. Les dirigeants et les joueurs oui, passent. Oui, mais les supporters, il t'a demandé ton avis sur le nouvel entraîneur. Oui, mais il a fait monter Andoum en 3 ans. Devant Bastia, l'année où il monte, c'est devant Bastia. Donc, c'est vous après, dire un peu là. C'est pas le même contexte à Martigues, on le sait. Enfin, moi, je le connais très bien. J'espère juste que cette année, on monte. Voilà, c'est le seul point que je lui ai dit, et je lui ai dit personnellement. Je lui ai dit, cette année, il faut attendez, monter. Attendez, j'ai un problème à régler. Est-ce que Benjamin Granelli t'a expulsé quelqu'un du chat? Parce que c'est toi, c'est vraiment pas intelligent, honnêtement, parce que ce mec est super. Il a été expulsé du chat. Donc, qui a été expulsé du chat? Il peut pas, il est même plus modérateur, Benjamin, comment tu qui passe. Il en est encore. Ah non, il l'est plus. Sur le groupe? Ben oui, il est juste membre, il est plus modérateur. T'es sûr de toi? Ah oui. Je vais aller vérifier, désolé. Je connais mon pote, hein, quand même. Hein.
Parlez entre vous le temps que je regarde, s'il vous plaît. Non, non, je te disais ça, Chris, parce que les mecs de Saint-Malo, ils lui sont tous tombés sur le poil. Donc, moi, j'avoue que je l'ai un peu défendu. Je dis, mais vous parlez, mais le mec, en attendant, peut-être que les contextes n'étaient pas le même. C'était pas. Voilà, on ne peut pas juger un entraîneur comme ça sur 3 mois juste parce que le contexte, ça n'allait pas. Enfin, les mecs, ils l'ont descendu, quoi. Hein, sur foot national, d'ailleurs. Pardon, c'est pas Benjamin. Ben oui. Bon, ça peut être que Dams. Ben, ouais, les autres, ils sont pas sur le live. Hein, donc. À un moment, il faut demander Greg aussi. Greg, il n'est pas là. Manitou, ça m'étonnerait parce qu'on parlait à technique. Ben, le pauvre. Kaza, il travaille, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Jean-Pierre, t'es là? Ah bah oui, mais puis... Il comprend rien de technique, à part ses platines, il comprend rien. Jérôme, c'est pas possible. Mandantine, je pense pas, parce qu'à mon avis, il adore à l'heure qu'il est. Sébastien, non. Jérôme Raffetto, non plus. Carlos Escobar, non plus. Ouais, je vois que... Ouais. Bon, je l'appellerai demain, je vais régler le problème. Mais c'est qui a été exclu? J'ai pas... Désolé pour Sébastien Pic, qui a été exclu du live. Salut Jonathan Coleman. Donc voilà, c'est vraiment idiot. Ah, pour le live. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des moments dans le football, comme ils t'en disent tous, hein, il y a des moments où c'est que ça va avec un entraîneur, avec un président, et de temps en temps, eh bien, tu ne fais pas l'affaire et on te jette. C'est la loi du football, malheureusement, entre les agents, les entraîneurs, les présidents, les nouveaux qui arrivent, parce que... On parle, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Eric Schell qui a signé à Boulogne aussi. C'est parti de Martigues. Hein. Il a signé, voilà. Après, voilà, c'est des choix de carrière de temps en temps. Ça s'explique pas. C'est Julien Sept le meilleur là-bas. Et comme je lui ai dit et comme je lui ai envoyé un message, tu sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure, tout le monde en a parlé, hein, que ce soit Anthony Le Talec ou Laurenti. Ils ont tous dit, c'est des choix de temps en temps, tu sais pas. Tu es là au bon moment ou tu es pas là au bon moment. Malheureusement, tu vois, à 10 jours près, il aurait pu continuer à l'OM. C'est ça. Donc ça tient à rien une carrière. Tu sais pas. Une réussite, en tout cas, une chose est sûre, ça tient à très peu de choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, c'était mon premier live avec vous. Je me suis régalé parce qu'il y avait du talent avec nous. Que ce soit Laurenti ou Le Talec et le futur champion qui était avec nous, c'est Cédric, c'est ça? Ouais. Avec Bonon, champion du monde, voilà. Et champion d'Europe. Voilà, donc moi je me suis régalé. Franchement, c'est bonheur de parler avec des joueurs qui comprennent. Non, attendez, c'est Facebook qui l'a éjecté. Voilà, ça devient pathétique, Facebook, sérieux. Oui, non, parce que Benjamin, le pauvre, il est pour rien. Ben, leur connerie, ça allait à l'encontre des standards de la communauté. J'ai dit que Kiki était une tarlouse et que lui et Neymar faisaient des passes au bois de Boulogne. ben voilà. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui l'ait signalé et hop là. Donc là, juste, on va rebondir vite fait sur l'actualité de l'OM, et notamment la signature qui pose beaucoup de questions à tout le monde. La signature, apparemment, très bien avancée du. D'ailleurs, je vais aller me renseigner avant, hein, avant de dire des conneries. Gerson. De Gerson à l'Olympique de Marseille. Donc, j'aimerais avoir le point de vue de Christophe. Et après, moi, je donnerai mon point de vue. Parce que moi, j'ai le mien. Ça risque de piquer comme je suis sans Paoli. Donc, j'écoute Christophe pour l'avenue de Gerson. Oh, je pense que ça peut être une bonne surprise. Après, c'est toujours pareil. Ça arrive de l'étranger. Donc, il y aura une adaptation. On sait que les Brésiliens, ils mettent du temps. Sur deux, trois mois, il faudra les juger à ce moment-là. Je pense qu'on a eu le cas, quelques cas cette année. Il y en a qui n'ont pas réussi de suite. On ne les a pas laissé aussi le temps. Moi, je dis que, voilà, après, on sait très bien le contexte marseillais. On sait très bien que ça va, en espérant que ça va revenir dans les stades. Mmh. Et voilà. Bon, pour moi, Il a sa chance, comme d'autres ont eu la chance. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, Jean-Pierre. Moi, je peux pas te dire parce que je l'ai pas vu jouer, je le connais pas plus que ça. Le problème, certains supporters, en fait, je pense que vous n'avez pas étudié la situation du club. On va chercher un joueur à plus de 30 millions,
Vous dites on verra ce qu'il vaut l'année prochaine. À part que l'OM, on a plus de ronds. Ouais, expliquez-moi comment on paye le transfert de Gerson, sans avoir vendu aucun joueur, notamment Camara, puisque Tovin est parti gratuit. On ne vend pas de joueurs, mais on va recruter des joueurs à plus de 30 millions. Ah, mais ils ont joué au loto cette semaine, ils vont jouer à l'euro million. Il y a Almada aussi, mais ça pourrait se compliquer apparemment. Non. Ah ben, tout à l'heure, j'ai lu un article qui disait que ça commençait à se compliquer pour Almada. Ah, mais si tu commences à lire la presse française, toi aussi. Ah non, ben ouais, mais je lis. J'ai pas donné crédit, je lis. Il a dit, il lit, il regarde pas les images. Voilà. Mais après... Après, de toute façon, tous ces Sud-Américains, on le sait que c'est compliqué. L'adaptation, même à Marseille, même Moser, il avait dû s'adapter. Donc voilà, après, encore que après, lui joue en Europe. Hein. Lui jouait déjà en Europe. Donc, mais les Brésiliens qui viennent du Brésil, c'est toujours compliqué. Je sais ce qu'il y a dans la tête à Yannick, c'est la vente du club. Qui... Oui, oui. Ah ben... Non, parce que, honnêtement, Jean-Pierre va te le dire. Moi, sur mes lives, je n'en parle pas. J'ai jamais fait de live spécial vente. Parce qu'on veut pas, parce que ça nous intéresse pas. Moi, j'ai pas mes convictions, je le répète devant tout le monde, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai mes convictions, parce que moi, le dossier, je le connais par cœur, parce que ça fait plus de 2 ans que je le pratique, ce fameux dossier. On m'a taillé beaucoup sur Twitter en me disant que je disais beaucoup de conneries. Pas de problème, j'assumerai, comme j'ai dit, j'assumerai les conséquences. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans le fou, quand même. Oui, après, 31 joueurs, 30 millions, alors que tu dois passer devant la DNCG d'ici pas longtemps. Voilà, on verra comment ça va se passer. On y est passé devant la DNCG, il me semble. Le boulette qui a été fait sur l'équipe à l'instant. Ah, je ne sais pas, moi j'y suis sur l'équipe, mais il y a France-Portugal. Le journaliste, l'autre Guillon, là, qui a marqué en bas en titre, Jean-Pierre, il a marqué l'appel du jour, Sampaoli, ça a été un gros recrutement. C'est quoi? C'est des Bill Gelit qui a fait ça ou c'est quoi? Mais non, c'est un autre, je sais pas comment il s'appelle, je m'en bats les couilles. Hein. Je regarde pas les couilles. Ah oui, C'est comme Domenech, l'autre jour, il a failli tout cramer hein, en 2 secondes. Il faudrait bien lui cramer les sourcils, là, lui. Il aurait dû cramer le bus, oui. Ah oui, aussi. Alors, oui. Apparemment, c'est tombé. Enfin, apparemment, c'est tombé. Ça vient pas de France, hein, je vous le dis, comme ça, vous serez rassurés. La proposition de l'OM pour le contrat de Gerson serait un salaire de 225 000 euros par mois pendant 5 ans. L'OM et Flamengo auraient accepté un transfert de 25 millions puis 5 millions de bonus. Ouais. Le Brésilien hésite pour la suite de sa carrière. Par contre, juste un truc, vous avez vu, pour moi c'est une honte internationale, combien il est payé le petit Dieng? Non mais alors attends, je vais t'expliquer un truc. Non, mais attends. À un moment, il va se barrer. Non mais laisse-moi parler. Le gamin, il est payé 1800 euros quand même. Tu me laisses parler ou pas? Dieng n'est pas considéré comme pro. Il n'est pas considéré comme pro, il est aspirant. Et c'est le salaire d'un aspirant, monsieur. Et alors, il serait pas temps de le faire signer pro, le petit, au lieu de... Il va encore se barrer, je vais le perdre. Il y a des choses que tu n'as pas compris, Jean-Pierre. Dieng, il n'appartient pas à l'Olympique de Marseille. C'est un prêt. Dans quelle année? C'est un prêt, Dieng, quand tu veux. Ah non, prêt de qui? Mais quand tu veux. Prêt de qui? Enculé, mais il va me saouler. Non, mais... Si c'est un prêt, dis-moi qui c'est qui nous l'a prêté. Mais c'est un prix qui vient de là-bas. Ouais, mais qui? Je suis en train de chercher, 2 secondes. Ah ouais, parce que là j'avoue que là, tu me... Non. Ben, tout le monde le sait à part toi, hein, en fait. M'étonnerait. Il était venu en prêt à l'OM. Merci. Alors, bon, déjà, il est de Dakar. Ça, tu le savais quand même. Oui, ouais, ça, je sais. Et du Diambars FC au Sénégal. Tu vois là comme réponse. Et tu vas me dire que le Diambars FC, tu n'es pas capable de l'acheter, le gamin. Le Diambars FC
Ah, Gamba, eh, Djambaru Gamba, c'est pareil. Je suis pas capable de l'acheter, le gamin. Tu n'as pas d'avant-centre, c'est pourri que ça ne peut plus. En fait, Jean-Pierre, on a beau te parler, tu ne comprends rien, en fait, à chaque fois qu'on parle. Si le club change de pavillon, je ne vais pas m'expliquer. Tu peux avoir meilleur que Dieng, tu vas faire quoi? Réfléchis un peu. Ah non, mais je réfléchis que moi je me tape Germain depuis 4 ans à 400 000 par mois. Tu l'as plus. Alors, tu l'as plus, mais tu avais un gamin que tu payes 1800 euros. À un moment, ça casse les bonbons. Mais c'est tout. C'est comme ça. Tu t'es tapé un Germain à 400 000. Mais il est que prêté. Ouais, mais alors, tu vois qu'il est bon. Il n'y a pas un moment où on te met un million sur la table et on l'achète. Non. J'ai jamais dit que Bamba Dieng était bon. Le problème, vous les supporters, c'est un supporter comme toi, Jean-Pierre. Laisse-moi parler. Vous mettez des joueurs sur des piédestals, là, vous avez fait pareil. J'ai jamais mis personne sur un piédestal. Je dis juste que le gamin, il a des qualités que Germain ne nous a pas montré en 4 ans. Donc, eh ben ouais, ça te coûte pas grand-chose, un gamin comme ça. Les qualités, c'est quoi? Il faut obtenir un pénalty. Explique-moi. Non, mais explique-moi. Arrête. Eh ben ouais, mais il faut le faire à l'appel de balle. Il y était, non, dans le truc, le gamin. Germain, le seul appel qu'il a fait, c'est de décrocher au téléphone, c'est tout. Il ne faut pas déconner. Le mec, à part des déviations sur corner, c'est tout ce qu'il a fait à l'OM. Alors, mais à un moment, il ne faut pas déconner. Je ne suis pas l'avocat de Valère Germain, tu me connais. Non, mais. Mais Valère Germain, que... le problème qu'il y a, il n'est pas utilisé au bon poste. Oui, Germain, non, mais je pense que. Je pense qu'un gamin comme ça aurait mérité sa chance, parce que justement, c'est pas cher. Tu prends pas de risque à acheter un gamin. Non, mais tu comprends pas. Il y en a combien des joueurs comme ça qui sont passés à l'OM en jeune et qu'ils n'ont jamais signé? Il y en a combien? À la réserve de l'OM? Oui, bah à la réserve, mais là, lui, il a... Écoute-moi, Jean-Pierre. À la réserve de l'OM, il a fait quelques entraînements, il est passé par la réserve avant de monter. Là, il y a quand même 27 joueurs qui partent du centre d'entraînement de la commanderie. Il y en a combien des joueurs qui passent, qui sont très bons, d'accord, à l'entraînement? Regarde, il a raison, c'est con à dire, mais il a raison, Christophe, ce qu'il dit. Mais lui, il n'est pas bon qu'à l'entraînement. T'as eu le cas. Cédric, il a dit un truc tout à l'heure. Il a dit que tu peux être bon sur un match. T'as eu le jeune qui est parti à Everton, j'ai oublié son nom. Moi je suis désolé, le gamin, pour moi il a montré des qualités et pas que sur un match. Non, moi je t'ai dit, Cédric tout à l'heure il a dit, tu peux être sur un match, sur deux matchs, mais est-ce qu'il a les capacités de s'entraîner toute la semaine, de jouer au niveau qu'on demande à l'Olympique de Marseille, parce qu'on n'est pas n'importe quel club non plus. Non, mais d'accord, si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. Je suis d'accord avec toi. Dieng, dans la saison, il a fait 3 matchs. Et toi, tu le mets sur un piédestal. Parce qu'il a fait je n'ai jamais mis sur un piédestal. Je dis qu'il a des qualités. Parce que tu ne trouves pas ça honteux que ce gamin soit payé 1800 euros. Mais non, c'est le prix d'un moment. À un moment, quand je vois certains qui touchent 400 000 et lui 1800, qu'est-ce que tu vas comparer à Jean-Pierre? Qu'est-ce que tu vas me comparer une carrière qu'a fait Valère Germain dans tous les clubs où il est passé et Dieng qui a joué au Sénégal? Je ne compare pas, je compare ce qu'il a fait à l'OM. Non. Oui. Dieng, il est arrivé. Mais il faut arrêter, Jean-Pierre. Sérieux. Mais non. Et tu l'as pris quand? Tu l'as pris au mois de janvier, Jean-Pierre? Oui, et alors? En attendant, il a démontré plus en 3 matchs que l'autre en 4 ans. À un moment, c'est quoi qu'il faut? Je vais juste te dire une chose. Quand tu augmentes tes salaires... Après, on nous casse les couilles à mettre des 15-20 millions, soi-disant, sur des jeunes prometteurs. Mais là, justement, tu en as un de jeunes prometteurs. Non, mais parce que lui, il vient pas du Brésil, c'est pas ronflant. Parce qu'il vient pas du Brésil. Lui, tu mets 500 000, tu vas le prendre. Non, mais il faut faire des paris. Mais non, mais attends. C'est impressionnant. Oui, je comprends rien. Ouais. Non, mais et dis-moi,
de Osimhen, Pépé, ils étaient connus de qui avant d'être à Lille? Ils étaient connus de Montvier. Ils étaient connus de Montvier. Et Lille, ils ont fait des paris sur ces jeunes-là. Pourquoi sur ce jeune-là, on ne ferait pas un pari? Parce qu'il a démontré des choses. Tu me laisses parler ou pas? Tu veux toujours avoir raison, à un moment. Non, non, c'est pas que je veux toujours avoir raison. Mbemba Dieng, il est aspirant à l'Olympique de Marseille. Il a un salaire de 1 800 €, c'est comme ça pour tous les aspirants dans tous les clubs, tu regarderas. Eh ben oui, mais alors, est-ce que ça interdit de l'acheter? Je vais arrêter le live, ça me saoule. C'est bon. Parce que je peux pas parler. Est-ce que... Mais non, mais est-ce que ça... je dis juste, est-ce que ça interdit de l'acheter? Non, mais il parle de l'acheter. Mais t'es fatigué. Il parle de l'acheter pour le revendre. Il parle de l'acheter. Là, il parle de l'acheter, mais de le refourguer dès le premier mercato. Oui, ils veulent faire du trading avec lui. Là, c'est pas du trading. Donc, Et bien, pourquoi ils vont augmenter un mec, ils vont revendre? C'est trop con. Je sais pas. Ah ben non, si tu le revends dès le premier mercato, t'as rien fait du tout. Il y a Kaza qui veut venir t'expliquer avec nous, si tu veux. Tiens, je t'envoie le lien, Kaza. Hop là. Non, je dis juste que problème, vu qu'on n'a pas, on manque de. Vous avez fait pareil pour Enrique. Vous l'avez mis en haut. Le gamin qui s'est écroulé. Alors vous, moi j'ai rien dit. C'est eh ben justement puisque là, tu veux prendre le cas d'Enrique. Enrique, tu l'as payé 15 millions. Ok, d'accord. Justement, puisque tu es capable de mettre 15 millions sur Enrique, ben mets-les sur Mbemba Dieng. Histoire de voir ce qu'il vaut, le gamin. Mais tu mets un million. T'as rien compris. Ah ouais, mais c'est bon, je comprends jamais rien. Si t'as les moyens, si t'as les moyens financiers, que tu vas chercher meilleur que Dieng, tu vas dire quoi, là? Tu vas chercher qui? Tu vas dire après. Tu vas chercher qui? Et tu as trois mois pour faire une... Deux mois et demi pour faire une équipe. Il y a Flo Gomez qui arrive, il va t'expliquer exactement la même chose que je t'explique. Ah ouais. Ils ont deux mois et demi pour faire une équipe. Salut Flo. Et alors? Est-ce que ça empêche de mettre des billes sur un jeune prometteur? Mais à un moment, je parle chinois ou quoi? Mais non, tu comprends pas. Il y a un budget à respecter. Le mec, il vient d'arriver en janvier. C'est vrai que ça va flinguer le budget d'acheter Mbemba Dieng. Hein. Oh putain! Tu me laisses finir au lieu de couper 10 secondes parce que ça me gonfle. Je vais couper le live bientôt. Je te le dis d'avance. Juste, Mbemba Dieng est arrivé en janvier. Le mec, on le connaît pas. Il est aspirant pro, il n'est pas pro, il est aspirant pro, et Flo va te le dire, le salaire de ce type-là. Oui, non, mais ça va, mais ça change quoi au fait que le gamin, il ait du talent? Il a du talent sur quoi? Il te l'a prouvé sur combien de matchs? Sur 3 matchs? Il a du talent? Mais Germain, il a prouvé quoi sur 4 ans? Il n'a rien prouvé sur 4 ans. Lui, tu sens qu'il y a quelque chose, il a 18 ans, il est puissant, tu peux te dire, tiens, voilà, je peux mettre des billes sur ce gamin. On n'a pas dit de lui donner 400 000. Attends Christophe, s'il te plaît. Que t'as un budget prévisionnel à tenir en compte et que le joueur, tu peux pas l'augmenter. À l'époque de Pape Diouf, moi je me rappelle d'une image, je sais pas ce que t'as oublié, mais avant d'augmenter le joueur, il fallait qu'il fasse ses preuves sur au moins 10 matchs. Mbemba Dieng, il a fait 3 matchs. Si tu veux qu'il fasse ses preuves, c'est pas possible. D'accord, mais alors mais par contre, ça te gêne pas, toi, d'aller acheter Gerson à 25 millions. Jean-Pierre, ça te gêne pas. Mais par contre, mettre 500 000 sur un petit jeune, ça, c'est pas possible, ça. Jean-Pierre. Les gars, je comprends pas, moi. Vas-y, Flo, parce que là. En fait, salut tout le monde déjà. Salut Flo. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils avaient l'intention de lui faire signer un contrat? Merci. C'est juste ça, en fait. S'ils veulent pas lui faire signer de contrat, c'est ce que je dis, c'est des cons. C'est des cons parce que, au vu de ce qu'il a pu montrer quand il a porté le maillot, Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit autre chose, mais si les mecs préfèrent aller claquer 25 bâtons. Après, à l'heure actuelle, tu peux pas comparer avec le salaire de Germain ou avec le salaire. Tu peux comparer. C'est largement incomparable vu le rendement. Tu peux comparer, par exemple, avec le salaire de Kawhi. Le mec. Un aspirant pro. Oui. On a compris. Si ça n'empêche pas de l'acheter. Yannick, si tu as un joueur. C'est impressionnant. Si tu as un joueur. C'est toi qui comparais. Tu l'achètes pas, toi. Je comprends pas.
Un aspirant pro, avant d'être acheté par un club, lui proposer un contrat, il est obligé d'avoir fait 2 ans en aspirant avant de signer son premier contrat pro. C'est comme ça, c'est la législation qui est comme ça. C'est tout. Et tu peux rien y faire. C'est comme ça. Eh ben, il ira faire le bonheur d'autres clubs et on pleurera encore. Hein, tu peux pas anticiper un contrat de lui faire un contrat sur 2 ans. Avant non, 2 ans, 2 ans, je crois. Je crois que c'est 2 ans minimum. En tant qu'aspirant. D'accord. En fait, s'il est vraiment considéré comme aspirant. Hein. D'ailleurs, je vais aller voir. C'est parce que là, il disait qu'ils allaient l'acheter. Oui, il achète pour le revendre. Oui, ils achètent pour le revendre. Mais ils se font prêter un joueur en tant qu'aspirant pro, c'est bizarre quand même. Oui, parce qu'au départ, il n'était pas prévu pour l'équipe première. Hein. Il était réduit pour la réserve au départ. Parce qu'ils étaient très mal la réserve. Et elle est à combien l'option d'achat? Vous le savez? Non, mais elle, à combien? Elle est montée à combien? 12. Je n'ai pas compris. 12 ou 8? 8 ou, 8 ou 12, je ne me rappelle plus. 1000 euros? Ben oui. 12 000. 12 000 euros? Tu comprends pourquoi je dis mets le pognon sur le gamin? C'est même pas le prix du Clio. Ben oui, non, mais c'est. Tu comprends pourquoi je dis mets les sous sur le gamin, fais-le évoluer, tu vas voir que quand tu vas le vendre 20 millions, tu vas te séguer derrière. Mais s'ils n'ont pas le droit? S'ils n'ont pas le droit? Je sais pas. Hein. Et pourquoi les autres, ils vont le prendre le droit, tu crois quoi? T'inquiète pas. Parce que là, ça veut dire que là, s'ils le prêtent, ils vont le prêter en tant qu'aspirant pro aussi. Alors voilà, merci à quelqu'un de m'avoir rectifié la chose. Je ne citerai pas la personne, c'est un ancien pro qui me l'a dit. Alors, il est prêté par le FC Diambars, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc, l'OM, quoi qu'il arrive, ils étaient obligés de l'acheter, ils n'avaient pas le choix. Il gagne 1800 pour les qualités que je vous ai dit. L'option est levée, il lui propose de 2800 à 4000 euros, pas plus. Voilà. Hein, tu l'as répondu. Pour rester encore un an d'aspirant. C'est ça. 4000 euros par mois. Non, mais là il disait qu'il était payé 1800 euros et que le gamin, il voulait voir ailleurs. Il a été acheté 400 000. D'accord. Mais, et là, il lui propose 4000 euros par mois, c'est ça? Oui, mais il le revend. Là. Je comprends pas. Ah, mais non, mais c'est. Je comprends moi, je pas comprends la stratégie, tout. Là. Agents. Moi, je commence à comprendre. Oui, tu as compris, bien sûr. Ils font ça, c'est pas pour rien. Hein. Vive les agents. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est pas ça. S'ils font ça, les gars. Oui. Qu'ils ont leurs idées derrière la tête, hein, ne rêvez pas. Oui, après, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas aller chercher un mec comme Gerson à 30 quelques millions, 30, 35 je crois. Là, ils ont coché le nom de Gustavo de Oliveira, la pépite brésilienne. Là. Il a 40 millions. Oui, ah, oui. Pour ce jeune qu'on parle, il y a au moins des agents derrière qui vont se gaver sur son compte. À savoir qui c'est les agents. Le problème, il est là. C'est tout. Si c'est un mec, si c'est son... Attends, voyons qui c'est son agent pour voir s'il en a un déjà. Parce que c'est la famille. C'est tout, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. C'est un business, dans un business qui est d'un business, c'est tout. C'est... Voilà, ils ont vu la cagnotte de l'OM qui vont chercher à droite et à gauche. Ils savent qu'ils ont un peu d'argent. Ils le font venir à l'OM. Son agent, il va prendre un billet pour le faire signer. Et tu verras que le jeune, il va partir dans un club de National 2, National 1, et peut-être qu'il sortira ou peut-être qu'il sortira pas, c'est tout. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que, de manière, tant que si vraiment l'option est levée. Non, mais ça, l'option est levée, ils enlèvent un mois de salaire à un joueur à 300 ou 400 000 euros qui est parti, comme il s'appelle. Celui qui est parti, qui revenait de la Roma, et c'est bon, il a acheté le joueur. Trottmann. Voilà. Hein. Ils prennent leur salaire à lui, ils achètent le joueur, ils vont le revendre, c'est fini. Ouais, mais là honnêtement, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Macour dit qu'il va remettre 60 millions au pot. En 2 joueurs, il a déjà cramé le budget. Il reste 10 joueurs à acheter encore. Ou alors il a gagné au loto, hein. C'est pas possible.
Mais ces mecs qui parlent là, les Brésiliens là, ils sont vraiment bons. Personne. Mais vous, moi, vous les connaissez. Je t'avoue que je les connais pas. Moi. Voilà, c'est moi, ça. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu jouer au milieu de terrain. Il est. Bon, après, il est jeune, il a que 23 ans. Même. Faut arrêter de mettre les joueurs sur des piédestals, comme je disais tout à l'heure. Les jeunes joueurs. D'accord. Parce que chaque fois qu'à l'OM, on nous dit c'est une pépite, c'est un futur Messi ou autre, au final, ben, on a des gueules. Regardez Luis Enrique. Je préfère mettre. Je préfère mettre 200 000 sur un jeune que 25 millions. Hein. Je suis mal au cul, moi. Mais arrête. Mais, non, mais Jean-Pierre, ce que tu comprends pas que je t'explique tout à l'heure, comment tu veux augmenter un joueur comme Bamba Dieng? Mais j'ai pas dit qu'il fallait absolument l'augmenter. Tu l'achètes au moins. Tu l'achètes et tu le fais jouer. Non, t'as pas dit ça tout à l'heure. Demande à Christophe, il est témoin. T'as dit une augmentation pour Bamba Dieng. Tu regarderas le. Bah oui, parce qu'honnêtement, 1800 euros, c'est pas beaucoup. Hein. Je trouve que quand il y en a qui sont payés à se tirer sur la ficelle avec 400 000, moi je trouve que le gamin, 1800 euros. J'ai une question. J'ai une question. Ben, il vaut. Tu l'as gagné, toi, 1800 euros par mois ? Tu l'as dit toi-même, de 1800 à 4000. Et alors ? Ça fait quoi ? Eh ben alors, tu crois pas que les gamins, les 4000, ils pourraient pas les prendre ? Au vu de ce qu'il a montré, tu peux les donner. Hein. Putain, t'en donnes 400 000 à Germain. Jean-Pierre, demande à Casa. Casa, rappelle-toi, pas de ouf. Salut les boulets, comment ça va et toi ? Ouais, tranquille, ça va, bon. T'as trop fait l'apéro, quoi. Oui, ça va ? T'as mangé au moins ? Ouais, ça y est, j'ai mangé. J'ai pas encore eu le temps de faire l'apéro. J'ai bossé comme une machine. On vous a raconté les conneries, les gars. Ce que je veux dire, Kaza, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Rappelle-toi à l'époque de Pape Diouf, le regretté Pape Diouf. Avant que les joueurs soient augmentés, rappelle-toi bien, il fallait qu'il fasse ses preuves sur le terrain. On est bien d'accord. Eh bien, évidemment, comme dans toutes les entreprises, qu'il faudrait être une merguez pour pas comprendre ça. T'es bien d'accord avec moi. On a oublié que le foot, c'est une entreprise. Hein. Ouais, mais les gars, elle a pour gagner de l'argent. Quel risque tu prends avec un gamin comme ça ? Tu prends plus de risques avec un Gerson à 35 millions qui lui va te faire mal au cul qu'avec un gamin, je suis désolé à un moment. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a prouvé, Gerson ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais le problème, les gars, j'ai pris le truc en cours, c'est toi Yannick, je parle. Ce truc qui est sur Dieng, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon poulet. C'est un mec qui t'a coûté pipe. Fais-le jouer. Au pire, qu'est-ce que tu risques ? Ben, à chaque fois qu'il a joué, il a apporté quelque chose. Je suis désolé. Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et ça, ce minot, il faut qu'on se le garde. Mais oui. Au pire, qu'on se le garde encore un an, qu'on lui fasse faire ses preuves. Et dans les bien sûr. 10-15 millions. Sachant que le gamin, au vu de ce qu'il a montré, bah ouais, écoute, moi je préfère le prendre à lui, quitte à le mettre après, une fois qu'il a fini son machin, là, tu le mets à 10 000 euros, le mec il est content, plutôt que d'aller te chercher un Gerson à 35 millions, à 225 000 par mois, que s'il est pas bon, il te fait trou de balle comme au Carglass avec la résine et tout, lui, hein. Eh ouais, 35 millions et 225 000 par mois. Qu'est-ce que tu te retrouves avec le trou de balle gros comme une pièce de 5 francs. Et tu te prends le cou en l'air, la pompe et l'embout, et tu te prends tout dans le cul. Ah bah, qu'est-ce que tu vas me comparer, Jean-Pierre ? Un mec qui n'a pas les mêmes profils de poste, déjà. Qu'est-ce que tu vas me comparer ça, déjà ? Pour commencer. Non, mais arrête de me sortir des arguments tout bidons. Je le sais qu'ils n'ont pas le même poste. Mais Yannick, Gerson, il a fait quoi, Gerson ? Il joue quand même au football, non ? Il n'y en a pas un qui joue au tricot et l'autre. Il joue quand même le même sport, rassure-moi. Moi, je l'ai vu jouer avec Flamengo. J'ai vu quelques matchs. Moi, je peux vous dire que. Il va apporter beaucoup au milieu de terrain. Il y a même un certain Neymar. Tu regardes les danses de Flamenco, tu regardes pas les matchs de Flamengo. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais le problème, comme j'ai dit à tout le monde, on le connaît pas, le problème,
On va le payer une fortune, tout ça, parce que quoi? Parce qu'il est brésilien. En même temps, j'ai envie de te dire, Payet. Mes couilles. Mais je m'en mange. Payet, tu vas payer une fortune. Non, mais t'as des couilles, on va payer un mec une fortune qui sort du trou du cul d'une nonne. Et alors qu'on a un minot qui est là, on a juste à le former, à l'aider, à... Et il va nous rapporter de l'argent. Il va nous sachant rapporter que des et sur ce qu'il a dit d'un sur... côté. Eh oui, sachant que à chaque fois qu'il a fait des apparitions, il n'a pas été dégueulasse, le gamin. Juste. Et en plus, juste. Il n'a pas été mauvais à chaque fois. Voilà. Juste pour information, est-ce que vous savez s'il a une prime derrière? Ils peuvent lui donner 1800 euros et donner des primes. Je pense pas. Là, au vu de l'article que j'ai lu, le mec, il a les boules quand même, hein, parce qu'il disait justement qu'il touchait que 1800 euros et qu'il n'était pas content, il voulait quitter l'OM pour aller voir ailleurs. Ouais, parce qu'encore une fois, on ne sait pas recruter. C'est combien? On ne sait pas recruter. Quel âge il a? Quel âge il a? Parce que je ne sais pas exactement. Quel âge il a? Il a 19 ans, non? Il a 18 ans, je crois. Non. 18 ans? Hors taxe. Non, non. Non, non, je pense qu'il a 20 ans. 18 ans, en fait, ouais, il a 20 ans, quoi. En tout cas, on ne s'est vraiment pas acheté à l'OM. Hein. Ça dépend si il passe à la douane ou pas, ça dépend. C'est bien, il passe plus la douane. Il faut voir sous la douche. Il faut voir sous la douche, si ça compte. Il te sort... Il a 22 ans, mais à 22 ans, il a 4 ans, non? Tu sais que moi, quand j'étais à l'école, j'ai joué... Bah attends, j'étais en train de dire un truc, oh là là... Allez, vas-y, je vais arrêter le live, vas-y. Non, pourquoi je disais juste que quand j'étais à Vitrolles, j'ai joué en U15 contre une équipe de l'OM au Nord, le mec, il était plus grand et plus poilu que moi, presque. Et pourtant, il était censé avoir 15 ans, je te dis pas le Golgoth aussi. Yo, il a 15 ans, lui. Il y avait ses enfants au bord. Ouais, vas-y, papa. Après, là où de notre côté, là où Yannick il a raison, c'est quand il parle de Pape Diouf, qu'il fallait faire ses preuves avant de passer pro et tout. Mais Pape Diouf, il ne te faisait pas des atrocités sur les transferts, non, comme on peut faire maintenant aussi. Je suis d'accord. Quand tu achètes un Radonjic, tu lui donnes je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois. C'est une vieille panée, c'est une vieille panée, le joueur. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ça me fait marronner, parce que tu n'es pas capable de faire l'effort encore pour Bamba Dieng. Oui, je vois lui dire des si Radonjic revient, qui c'est qui serait pour un retour de Radonjic ici? Non, pas apparemment, moi. Berlin va l'acheter. Mais pas moi, ça c'est sûr. Non, mais au cas où. C'est Mbier. Non, toi non. Ah, c'est Mbier. Après, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, et vous ne posez pas les bonnes questions, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas bizarre qu'on va chercher un joueur à plus de 30 millions? Alors qu'on a pu en rond, on a fait aucune vente dans le club, il n'y a aucun joueur qui a été vendu, et on va chercher des joueurs à 30 ou 40 millions en fait. Et Yannick, tu trouves pas bizarre qu'on arrive à prendre un joueur qui est déjà vendu à 40? Oui. Tu trouves pas bizarre qu'on arrive à prendre un joueur qui est déjà vendu à 40 millions? Non, c'est faux. Il n'a pas été vendu à la presse. Ben, c'est que des conneries. Ah oui, je sais pas. C'est ce qui se dit, hein, 40 lui et 25 l'autre. Là. Mais c'est les cons qui balancent ça sur Twitter. Il n'y a aucune. Oui, il y a mais bon, aucune après, c'est vrai. Non, je ne l'ai pas vu sur Twitter, je l'ai vu dans la province, ce poulet. Ils dans disent, province, en fait, non, c'est pas ça. Il est vendu 40 millions. Non, l'article La Provence. Mais quand les journalistes qui se disent normalement, ça veut dire que rien n'est sûr. Hein. Ah ben oui, non mais. Parce que. Et bon. Il y a plein de choses qui sont bizarres. Si Camara il doit partir en Angleterre pour 40 millions, moi il n'y a rien qui me paraît extravagant quoi. 40 millions pour Camara en Angleterre, c'est pas beaucoup. Ouais, et toi tu vas c'est pas beaucoup, avec... mais je veux dire ça paraît jouable quoi. Non mais et tu le remplaces par qui? Ah mais ça je ne sais rien, mais moi j'ai la faiblesse de faire confiance à Longoria. Putain. Ouais, mais fais-y confiance pas trop longtemps parce qu'il sera plus président dans quelques temps. Ça je ne sais rien.
Mais moi, je te le dis. On verra bien, de toute façon. Tu verras. Alors, et moi, j'aimerais bien qu'il reste président, parce que pour l'instant, moi, ce qu'il a fait pour l'OM, mais... eh ben, je trouve que c'est plus qu'honorable. Kaza, explique-moi sur les transferts qu'il a fait. Il y a rien qui te surprend alors qu'il n'a jamais été président de club de sa carrière. Et alors, Tapie, il a été président d'un club de football avant de venir à l'OM? Non, mais ce que tu comprends pas, Kaza, Tapie, il avait aucune fonction. Lui, il a une fonction de directeur sportif, de recruteur, de scout. Un scout, il ne devient pas président de club. Ah bah... Non, mais... Fait, pour moi... C'était son pognon qui était comme avant. Il n'aime pas Pedjouf. Moi, je ne suis pas... Regarde Pape Diouf. Hein. Il n'a jamais pris un autre club. Il était agent de joueur. Il est devenu président. Pape Diouf, c'est pas pareil. Il était journaliste. Il était agent de joueur. Il n'avait jamais été président. Pense. Non, non, on est bien d'accord. Il n'avait jamais été président. Mais Longoria, il n'a jamais été président non plus. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il a un carnet de relations comme ça, comme Lebrun. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Je sais pas, moi. J'ai envie d'y faire confiance à ce gars. Après, je peux me tromper. Hein. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Je sais pas c'était moi. Parce que... C'était moi. Oui, oui, dis-moi, mon poulet. Ben, dis-moi, sur à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Vas-y. Les transferts, dis-moi les transferts à part Milik. La stabilisation du club, La stabilisation du club. Tu trouves que le club est stabilisé là? Non, non, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Putain, déconne pas. Tu prends sur les derniers matchs que tu as gagné le 15e, le 17e, le 2. Non, je ne te parle pas de l'équipe première. Je te parle de la restructuration qu'il a fait. Ah, ben alors, ça, j'attends de voir. Non, d'accord, putain, en plus. Je suis sur mon téléphone parce que j'ai pas d'ordinateur et j'arrive pas à voir vos prénoms. Flo ? Ouais. Flo, c'est toi qui m'as posé la question. Oui, c'est moi. Oui, c'est Flo. Ouais, salut Flo. Salut. Écoute, ben, il y a Lirola, il y a Milik, je pense que Balerdi, c'est un peu lui aussi. Je pense que le départ de Strootman, c'est lui. Je sais pas, j'ai la faiblesse. En même temps, je vais te dire, il y a tellement d'années qu'on galère. Parle-moi d'Encham aussi. Parle-moi d'Encham aussi. Et Encham, est-ce que c'est vraiment lui? Je sais pas, oui, c'est vraiment lui. Ouais, ok, c'est vraiment lui. Ouais. C'est clair. Franchement, j'ai vu à Téléfoot, j'ai vu Encham Flo. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose. Moi, si tu veux... Non, mais ça déconne, poulet. Attends, Kaza, il t'a fait cuisance aussi. Parle-moi de cuisance aussi. Moi, je pense que c'est un très bon président, qui a un très bon carnet d'adresses, qui a de très bonnes relations, qui va nous faire venir... Ouais, le mec, il ne va pas pouvoir faire un truc sportif et comme Lirola, par exemple. Parce que Lirola, je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai pas vu venir, hein, ce mec. Et je suis content qu'il soit là. Donc, s'il nous en fait encore venir 3-4 comme ça, peut-être qu'il va se tromper aussi une fois ou deux. Ah ouais, mais là, il s'est plus trompé que le contraire, hein. Quand même, si tu fais avec Lirola ? Non, alors, Lirola, Milik, je te l'accorde. Ok. Lirola, Milik, on est d'accord. Après, maintenant, prenez tous les où il s'est trompé. Il t'achète Luis Enrique. Il te le prend pour un avant-scène, c'est un ailier. C'est lui qui l'a dit. Il s'est pas trompé. Attention. Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi aussi. Excuse-moi, Flo. Oui. Il a misé sur l'avenir. Et non. C'est pas idiot. Parce que Kaza, quand à l'OM, il y a quelques années, on achète Azpilicueta, il vient de nulle part, et tu as vu ce qu'il est devenu. Donc, Kaza. À mon avis, Enrique, c'est un joueur qui a de l'avenir. Et si on le peaufine... Et si on le fait jouer avec des Milik, avec un Payet qui a envie de jouer au football, eh ben je pense que ce petit Enrique, un Payet qui a envie de jouer au football. Payet, tu te rappelles pas? Kaza. Je vais pas être méchant, mais je pense que si le club change de gouvernement, de pavillon, Payet sera prêt dans le projet avec eux. Moi, je te le dis, saute. Eh ben peut-être, mais il a quand même signé jusqu'en 2055 à l'OM. Ouais, vas-y, Chris.
Juste vas-y, vas-y. Une dernière question déjà. Voilà, bonjour Kaza et bonjour Flo, puisque je ne vous ai pas vu. J'ai pas souhaité bonjour. Moi, juste une chose, c'est que là, il y a juste. On parle de joueurs. On en a eu quelques-uns qui sont très très mal passés à l'OM. On en a eu des tâches à l'OM aussi. Comme il disait Kaza, il a un carnet d'adresses énorme. Comme Longoria, le seul truc qu'il y a, c'est qu'à Marseille, on n'est pas patient. Ça. Les gars, mais ça fait 11 ans qu'on attend. Moi, les gars, c'est pas. Les années de transition, et ça fait 15 ans qu'on a des années de transition. On m'a donné mon vieux. Voilà, 15 ans. J'ai dit 11 ans, j'étais gentil. Les gars, moi, ça fait 15 ans que je branle les couilles. Sur Luis Enrique, ils te disent qu'ils cherchent un avant-centre, et ils te disent. Ils se sont trompés, ils ont prené les droits. Moi, c'est dans ce sens-là que je te dis qu'il s'est trompé. Après, il te prend Cuisance. Cuisance, c'est quand même un échec aussi. Oui. Hein, il te prend Incham. Incham, c'est encore un échec quand même. Balerdi. Ouais. On peut en parler aussi. Non. Dès qu'on ne pas, il avance pas. Il a deux de tension. Il a 19 ans, ça t'empêche. Oh, surtout à son poste, hein, c'est un stopper, le mec. Hein. Non, mais là, honnêtement, je ne veux pas défendre. Balerdi a dégagé, qui retourne à Dortmund et qui laisse l'OM tranquille. C'est bon. Alors, vous voulez qu'on achète des minots? Qu'ils arrivent à 18-19 ans, qu'ils jouent à l'OM et qu'ils aient le top niveau et qu'on les paye 2 millions. Moi, je dis que pour faire jouer des Balerdi, je suis sûr que dans le championnat, dans le district de Provence, des Balerdi, il y en a 15. Voilà. Je suis sûr et certain. Et à commencer par le petit Perrin. Le petit Perrin qui sort du centre de formation. Que tu l'as, d'accord. Il est gratuit, tu n'as pas besoin de l'acheter. Et je suis sûr qu'il est haut. Il n'a plus rien que lui. Bizarrement, Flo, je suis à 100% avec toi. Flo, il n'a pas sa chance pour remplacer. Pour remplacer Balerdi. Je suis désolé, Yannick, je suis obligé de partir. J'ai plus de connexion. Ça risque de bugger à tout moment. Ouais, ça marche. Merci en tout cas, Chris. Le problème, Flo. Ciao, Christophe. Ciao, bonne journée. Le problème, c'est qu'à l'OM, on a toujours préféré acheter des étrangers 20 millions plutôt que de faire jouer des millions de chez nous qui coûtaient rien et qui étaient tout aussi bons. Complètement. Mais ça ne veut pas dire que Balerdi, il sera pas bon. Parce que moi, je pense qu'il sera bon, des minots. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres minots aussi bons à Marseille. Bizarrement, Sampaoli compte remplacer Balerdi par Foyt, l'Argentin, pour une fois. Par qui? Foyt. L'international argentin. Je connais pas. Il veut faire une charnière Alvaro Foyt. Mais de toute manière, c'est pas compliqué. Alvaro, je vais vous dire, sincèrement, il est bien gentil. Il se bat pour le maillot, il se bat, c'est un guerrier, il n'y a rien à dire. Mais bon, avec toutes les fautes qu'il fait, il va nous coûter des points. Balerdi, tu veux qu'on en parle des fautes qu'il a fait toute la saison? Oui, mais Alvaro, il a 30 ans, Balerdi, il a 18 ans. Ouais, ben, il retourne à Dortmund, Balerdi, ça nous fera des vacances. Il y en a un qui a son avenir devant, l'autre qui l'a derrière, tu vois. Ouais, après, mais je suis désolé, je préfère... Moi, j'espère me tromper dans tout ce que je dis. Kaza, c'est moi, des pauvres. Moi, je préfère jouer avec une charnière à Perrin Alvaro que le mec défenseur central. Je parle pas du libéro. Je parle pas du libéro qui doit commander la défense et c'est lui qui va faire remonter le bloc et tout. Hein. Je parle du stopper, le défenseur central, comme il joue à 3, donc on va parler de Caleta Car et de Balerdi, on va dire. Ces mecs-là, on leur demande de quoi? C'est des postes où on leur demande juste de faire du marquage. C'est que du marquage. C'est simple, on leur demande pas du marquage. Quand tu vois que le marquage, il est minimum à 2 mètres du joueur, il y a un problème. Il y a un problème de vivacité, il y a un problème de tout, là. Il y a un problème de concentration, il y a un problème. Alors, je veux bien qu'il soit jeune, qu'il ait 18 ans, 19 ans, mais c'est pas des postes où tu as besoin de beaucoup d'expérience pour jouer. On est d'accord. On te demande juste d'être sur le mec. Regarde un Boli. Un Boli, il savait pas jouer au ballon.
ça le même pendant tout le match, tu te le prenais sur le dos, tu l'avais sur le cul, il te rendait fou. Hein. Il te rendait fou. Mais en début de carrière, Boli, il a fait énormément de fautes, poulet. Hein? Au Boli, en début de carrière, il a fait énormément de fautes, il a pris énormément de cartons, et au fur et à mesure, il a appris le vice. Tu te rappelles, Dimeco? Non, c'est pas des fautes. Moi, je te parle pas de fautes. Je te parle pas de fautes. Sanctionnable. Moi, je te parle de fautes. Il nous a fait des folies. Mais c'est pas ça. Je te parle, moi, de fautes dans le jeu. Je te parle de fautes d'inattention, de fautes de marquage. C'est moi, c'est de ça que je te parle. Je te parle pas de fautes sanctionnables. C'est pas ça. Mais tu t'imagines? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie d'être gentil avec ce gars-là. Tu joues au ballon, toi, Flo? J'ai joué un petit peu, ouais. Tu as joué un petit peu. Eh ben, ça suffit. Imagine, demain, tu pars jouer au Mexique, tu pars tout seul, sans ta famille, ça ne dégueule. Tu signes dans un club au Mexique, en Bolivie, au Pérou, où tu veux. Et tu arrives, tu connais pas la langue, tu connais dégueu, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu as 18, 19 ans. Tu arrives avec ton football qu'on t'a appris chez toi, à Marseille. Et puis tu arrives là-bas, c'est totalement différent. Tu crois pas qu'il te faut un peu de temps pour t'adapter et qu'une saison ou deux saisons, ça suffit pas, qu'il te faut un petit peu de maturité, attendre les 20, 21 ans. Je sais pas, moi, c'est des questions que je me pose, hein. J'ai aucune réponse. Hein. Mais je me dis que ce minot, j'ai l'impression qu'il a envie de se battre pour le maillot, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de ballon, et j'ai l'impression qu'il lui faut un peu plus d'expérience, et qu'avec tout ça, peut-être il va nous faire quelque chose de bon. Après, je sais pas. Hein. De par son poste. De par son poste, ou comme je me répète, où il n'y a rien de compliqué dans son poste, on te demande juste de faire du marquage et de l'intervention, c'est tout. Non, tu n'as pas besoin, je ne sais pas, ça me paraît. Quand tu arrives à ce niveau, que tu es professionnel, s'il te faut un an pour t'adapter à un championnat ou une manière de jouer, quand tu joues stopper, fais jouer le petit Perrin. Alors, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin d'adaptation, il n'a pas besoin de. Et il ne fera pas pire. Ah ben, si c'est pour faire jouer Perrin, alors là, je suis 100% avec toi. Eh ben. Parce que Perrin, il a quelque chose. C'est clair qu'il a quelque chose, Perrin. En tout cas, il ne sera pas pire. Ah non, ça c'est sûr. Tu l'auras payé moins cher. Tu l'auras payé beaucoup moins cher. Et tu l'auras payé moins cher, bien évidemment. Et puis tu auras mis un mec du cru. Et tu auras lancé un message aux jeunes qui arrivent derrière. Et oui, oui là, mais à l'OM, ça n'a jamais été ça, Flo. À l'OM, ça n'a jamais été ça. On a toujours eu une politique d'étrangers, de stars, de joueurs venus d'ailleurs et tout. Et pourtant, on en avait des pépites. Regarde Flamini, on n'en a pas voulu de Flamini parce qu'il n'était pas assez bon, parce qu'il était trop cher. C'était un peu particulier. Il est parti à Arsenal et il est parti, en plus, il est parti pour... Tu l'as formé, il est parti pour zéro. Nasri, c'est pareil, il est parti pour un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Et on ne sait pas garder nos joueurs du cru à l'OM. Sauf mais que depuis les années 60, c'est ça. Sauf que maintenant, quand ils te font des discours sur la formation, maintenant, ils te parlent que de formation. Ils te parlent de partenariat avec les petits clubs de la région. Ils te parlent de vouloir faire sortir les jeunes de la Méditerranée pour les faire entrer dans le centre de formation. Mais quel message tu fais passer aux jeunes du centre de formation aujourd'hui quand tu as un Perrin qui aurait pu l'essayer pendant toute la saison et qu'il a fait moisir sur le banc pendant toute la saison alors que tu avais des problèmes récurrents en défense centrale avec ce putain de Caleta-Car qui n'avance pas, ce gros enculé là. Mais en plus il y a des Anglais qui veulent t'enfiler 30 millions, putain, mais donne-le, moi j'y fais les valises et tu sais quoi, je le conduis avec ma petite voiture, je le conduis jusqu'à Londres gratuit. Mais c'est un truc de fou, les gars, juste,
Juste pour revenir sur ce live, le live va toucher à la fin. Je vous demanderai le mot de la fin à tout le monde. Parce que Jean-Pierre... Mais non, ça va, on est bien, là. Non, non, mais moi, je travaille à 6 heures, Casa, demain matin, donc... Ok, tu travailles, c'est nouveau, ça. Ok, tu fais des pizzas à 6 heures, non, je vais ouvrir un bar à 6 heures demain matin. Tu vas ouvrir un bar à 6 heures du matin? Eh, ma foi, il t'attend pour l'apéro. Tu viens pas. À 6 heures du matin? Eh ben oui, pour moi, ça fait pas l'apéro. Non, non, mais nous, les bars, on ouvre à 6 heures du matin pour les ouvriers, même le samedi matin, parce qu'il y a le marché. Et t'es obligé. Là, je me régale de parler avec Flo. Flo, est-ce que t'as mot de la fin? Faut qu'on refasse un live, justement. Mais on en refera un avec toi. Non, mais avec toi aussi. Hein. D'ailleurs, faudrait mettre en place, mais on verra quand. L'autre jour, c'était super intéressant qu'on a fait le live sur le supporterisme marseillais. Faudrait le refaire avec. Je pense que Flo être d'accord avec moi. Faudra faire quoi, venir. Moi. Laisse-moi parler, putain, mais c'est pas possible. Faudra refaire venir Rémi Mars, Flo, l'ancien capot des Winners. Je lui demanderai à Rémi. J'essaierai d'éviter Castaldo, mais ça me devrait dire oui. Et les frères Tolini, je vais inviter. Oh Flo, mets la lumière! Eh ouais, t'es. Me casse les couilles ce truc-là. Donc, tu sais pourquoi c'est trop petit, je passe un peu au détecteur. Avant de conclure ce live, je vais demander le mot de la fin à Flo et après moi je conclurai pour le live. Vas-y, je t'en. Je suis arrivé tard sur le live. Moi, moi et Kaza, plus, tu sais, il n'y a que Flo qui donne le mot de la fin. Allez, tiens, dégage. Bah, d'ailleurs, Kaza, viens, parce que pour le coup. On va se boire un coup, on le laisse entre eux. T'as pas besoin de boire un coup. On va se boire un coup entre nous. Ah oui. Je suis arrivé super tard sur le live, Yannick. J'ai pas. Je suis arrivé sur la fin. Non. Mais en fait, on a eu la chance d'avoir le champion d'Europe avec nous ce soir, Anthony de Letalec, qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Et Anthony de Letalec qui nous dit que la finale de la Coupe de France contre Sochaux. En 2007. Putain, oui, je lui ai dit. Il lui a rappelé Jean-Pierre. Je rentends encore le speaker. But du numéro 9, Anthony Letalec. Il met une couille. Pardon. On mène 2-1 et c'est lui qui égalise. Et oui, et oui. Après, honnêtement, pour revenir aux invités ce soir, Anthony Letalec, très humble, très gentil. On a parlé de tout et de rien avec lui et c'était super agréable. Fabien Laurenti, il sera avec nous mercredi 26 mai, donc pour le 28e anniversaire de la Ligue des Champions avec Jean-Jacques Aydeli, Thomas Vidot, donc Fabien Laurenti. Et après, il y a des invités mystères, j'ai pas le droit de dévoiler. On aura la surprise mercredi. Et voilà, merci à Casa d'être venu aussi. Merci à JP, de JP, le mot de la fin. Ouais, bah écoute, non, c'était super agréable de discuter avec Fabien Laurenti, avec Cédric, avec Anthony Letalec. C'est voilà. Il m'a encore coupé le son, l'animal ou quoi? Non, il y a mon cousin qui dit mot de la fin, acte 2. Ouais. Non, moi, tu vois. Quand je disais faire une émission comme on a fait mercredi, c'est ça que je voulais, c'est-à-dire diffuser ce qu'on a diffusé, mais derrière, tu prends Flo, tu prends Casa, tu prends moi, et on évoquait les 30 ans de 91. Oui, mais le problème, Guignol, tout de suite, t'avais pas de connexion, comment tu veux que je fasse le live? Non, mais d'accord, mais ça aurait été une idée. Parce que là, nous, à tous les trois, on t'en aurait parlé. Juste pour revenir pour la journée de mercredi, j'ai diffusé. En fait, Jean-Pierre, j'ai changé beaucoup de choses que tu n'es pas au courant. Ah bon? À 16h. Mercredi, j'ai bien niqué, hein. Le mercredi 26 mai, donc, à 16h, je diffuse le reportage à jamais les premiers. Rendez-vous à 18h pour revivre l'intégralité de la finale de 93 en live. Et à 21h, on reçoit Jean-Jacques Eldévi, Fabien Laurenti, Thomas Vidot et d'autres qu'on ne peut pas citer, on n'a pas le droit. Voici le Bolli, Bernard Tapie. Ah ouais, mais non. On ne dira pas.
Vous aurez la surprise mercredi soir. Et donc, une soirée Ligue des Champions. On a invité Fabien Laurenti, il a accepté avec grand plaisir. Donc, merci à Fabien d'accepter d'être un des trois invités de la soirée, plus des invités mystères que je ne dévoilerai pas. Vous pouvez me torturer, vous n'aurez pas les noms. Voilà. Donc, on verra bien. Mercredi, ça va être une journée, on va dire, enfin, une journée, une soirée mémorable. N'oubliez pas de vous inscrire pour le quiz de dimanche, par contre, qui aura lieu à la même heure. Qui va venir détrôner Jean-Pierre, qui repartit avec le savon Notre-Dame-de-la-Garde de notre partenaire très envie de savon. Coucou à Nathalie, au passage. Oui, on a fait un quiz dimanche, en fait. Kaza, il y a ça à gagner. Attends, on va même par là. Il y a quoi à gagner? Attends, je te montre. Laisse-moi deux secondes. En plus, j'en ai trouvé un pour toi, il est magnifique. Hein. On fait gagner ça. C'est des savons de Notre-Dame-de-la-Garde. Oh, Notre-Dame-de-la-Garde. Magnifique. Le savon et la bonne mère. Et attends, regarde les boîtes, Kaza. Moi, j'ai le tatouage de la bonne mère. C'est les vraies boîtes. Tiens. Regarde. Tu as vu les trucs de pastis? Ah oui. Regarde où tu es là. Eh ben oui. Regarde ben où tu es là. Il est fait à Marseille, ce savon, Yannick? Oui. Je t'enverrai le contact si tu veux, Flo. J'habite juste à côté d'une savonnerie, moi. C'est le 14h. Ça, c'est cadeau, c'est pour toi. Regarde, je te montre ma jambe. C'est le Winners qui fait ça. Ah ouais, oui, magnifique. Voilà. Ah, ouais. Bah oui. Voilà. Ah, il est beau. Eh ben moi, je vais vous montrer. Non, rien. Tu veux nous montrer la vite? Moi, je me suis fait tatouer. J'ai pas honte de le dire, je vous l'avoue en direct. Je me suis fait tatouer OM sur la bite. Et quand je bande, ça fait OM, champion d'Europe 93 à jamais les premiers. Je vous laisse après seul juge de tout ce que vous pouvez comprendre. En tout cas, merci d'avoir été sur live. Merci aux personnes qui tiennent le chat. On se retrouve dans Jean-Pierre dimanche pour le quiz. Demain, on n'a rien, monsieur les touches. Demain, il n'y a rien. Mais par contre, si vous proposez quelque chose demain soir, je monte le live. Hein. Eh bien, je propose qu'on parle de l'OM 91. Il y a juste, Yannick, je peux me permettre juste une petite annonce? Oui, vas-y. S'il y a des jeunes de Cabriès, de l'OCC ou du coin qui sont dans le coin demain. On fait demain un match amical contre la SG Menos. À 16h à Cabrias. C'est chaud, G Menos. Hein. Et dimanche matin à 9h, on fait un match amical contre Marignan-Gignac. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus près. À U14. D'accord. Mais écoute, bonne chance à tous ces minots. Et qui porte mon équipe. Qui porte haut les couleurs de l'OCC, donc de l'Olympique Cabriès Calas. Je ne me trompe pas. Qui s'amuse, qui se régale. D'ailleurs, j'ai vu l'interview de. Où c'est qui parlait de toi dans l'interview, Flo? Oui. Perron. Ouais, Florian Perron, c'est un éducateur qui est avec nous. Il est pour l'OM, lui? Ah ouais, intérêt, ouais. C'est fou, toi. Eh bien, invite-le sur le groupe. Hein. Il travaille avec des gens qui sont pour l'OM. Il pourrait non, pas parler juste, quand même juste, de Paris. Juste donc, moi, si demain soir, vous voulez qu'on fasse une émission spéciale 91, on le fait. Ben moi, juste, je vais vous dire, demain soir, je sais pas si je pourrais être là. Tu n'es pas là. Et c'est gros apéro. Mais par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que je pense que d'ici la semaine prochaine, il y aura ma vidéo sur l'histoire des minots. Que tout le monde oublie, mais pas moi. Pas moi non plus. Hein. Et ben justement, demain on peut faire une vidéo sur les couilles de ton père. Donc sur les minots, ah, je crois pas, non. Non, pas toi, JP, Yannick. Toi, tu es comme moi, toi, tu fais partie des vétérans, on n'en est pas. Nous. Ah ben, moi, ça y est, moi, j'ai dépassé les vétérans, moi, ça y est. Nous, on a été les premiers vaccinés, Yannick.
Non, non, mais Jean-Pierre, on ne peut pas faire une émission sur les millions demain soir, je vais t'expliquer pourquoi. Non, non. Parce que là, je suis en train de travailler avec un invité que tu connais, puisque je t'en ai parlé. Oui, bien sûr. Non, non, mais moi, je voulais Kaza, sur la... Kaza est au courant aussi, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne te parle pas d'une émission, je te parle d'une vidéo que je vais vous balancer. Oui, je suis oui. en train de préparer oui. que je vais vous balancer. Non, non, moi, je voulais faire une... Moi, je voulais faire un truc, discuter avec... pour évoquer 91, que je ne l'évoque pas tout seul. Eh ben, je serai là, mon poulet. Parce que c'est quand même la plus belle équipe qu'on ait jamais vue. Hein. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait une émission. Ah non, c'est pas vrai. Je sais pas si ça... Ah si, c'est les 30 ans cette année. Hein. J'aimerais qu'on monte il y a 71-72. Oui. Attendez, je lance le générique de fin, je vous en parle en off. Restez là, bougez pas. Non, je ne parle off. Plus à toi, tu m'énerves. Deux secondes. Ah, tu vas pas laisser...